Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous quotidien de AltisaiFrance.com sur Springfellow TV, le flic le plus déjanté du serveur, mais aussi le plus dur, mais aussi le plus sympathique des fois. Bon, bienvenue à tous, merci d'être présents, merci de votre fidélité, merci aux nouveaux followers qui nous ont rejoints cet après-midi sur le petit stream de 1 heure sur la banque où un petit incident est arrivé, c'est pour ça que j'ai mis fin au stream. Bon allez, ce soir, promotion canapé pour les policiers d'Altis, pour les plus méritants, et le départ pour ceux qui malheureusement doivent nous quitter pour raison X ou Y. Bon live à vous, profitez-en, moi je vous dis bonne soirée, faites vibrer le chat, venez sur Discord, abonnez-vous sur YouTube pour avoir en review, et surtout, followez la chaîne et partagez à max Springfellow TV. Voilà, merci à vous, prenez du plaisir et à tout de suite, bon live. Yo crâne d'œuf, salut crâne d'œuf. Merci. Cédric vient nous voir. Ah mais c'est pas non plus la porte ouverte à toutes les fêtes. J'ai eu des soucis, bah, limite avec certains, non, mais pas ça, au point de les virer. Je les vire ou je peux leur refaire faire une semaine de test? Des recrues? Ouais, les deux recrues. Il y a eu des problèmes qui sont en revenu, donc bon. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses, donc moi je serais pour leur refaire une semaine plutôt que les dégager, quoi. Qu'ils comprennent qu'ils... Quoi, leur nom? Je peux? Oh non. Allez, hey, Colonel. Collins, Navarra et Ron Ferretelli. Collins. Ok. Tire-Philly, je vous l'explique, c'est simple, le mec il est recru, il demande à sortir des lynx, à les mettre dans ses voitures pour les patrouilles alors qu'il a pas les accès 1 qui est recru, et Colling c'est des problèmes de comportement. Grave. Bah c'est limite, pas grave. Limite quoi, il a pas le comportement d'une recrue pour moi. Bon bah tu repousses voilà. Une semaine. Ah voilà, c'est ce que je comptais faire, mais je demande de façon générale parce que je sais que normalement... Tire-Philly, c'est un ancien donc... Tire-Philly c'est un ancien. Tire-Philly c'est un ancien, normalement il a pas le droit à l'erreur quoi. Le truc c'est que Tire-Philly il m'a fait des choses merdiques mais il m'a fait des bonnes choses aussi. Bon, moi je suis objectif quoi. Deuxième chance, allez. Donc il est général. Oui. On annonce les résultats recrutement en premier, comme ça on vire tous les autres. Ensuite on fait les rappels de comportement, etc. Tout ce qui va pas. Mm-hmm. Ensuite notre cher Steven fait sa petite pub pour Sierra. Mm-hmm. Et après on continue sur passage de grade, remarques de la semaine. Et après j'aimerais bien aussi un petit débrief sur les familles qu'on fera peut-être avant les passages de grade du coup. Petit débrief sur les familles, sur ce qui s'est passé cette semaine. Ok. Juste une petite chose, pour Viper on a un licenciement cette semaine. On le fait en même temps que le recrutement, juste après le recrutement. Licenciement de qui? Dylan Mosqueto, inexistant. Il a fait 13 heures jeudi dernier et depuis jeudi dernier 4 heures. Il a fait 4 heures depuis. Ouais, il a des soucis IRL. Ah mais je sais pas, il m'a pas prévenu rien. Moi oui, moi j'ai eu un message. T'as prévenu? Ah oui, il faut qu'il prévienne aussi. Ok, c'est bon. Bah oui, du coup je le garde. Comme tu veux. Bah non, il t'a prévenu qu'il avait pas mis RL, je vais le garder. Ouais, il m'a prévenu. Bah ouais, j'ai enverré un message qu'il faut qu'il me le dise quoi, parce qu'on allait le virer. Ok. Ouais, des fois c'est particulier quand c'est des problèmes. Ah mais les gars, peut-être pas parler quoi. J'ai 50 messages par connexion. Je m'en fous de savoir ce qu'il a. Je donne l'exemple de Kali. Kali aujourd'hui elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit qu'elle avait des soucis, machin et tout, qu'elle allait avoir une présence en Dancy. Mais elle me l'a fait quoi. Elle me l'a envoyé quoi. Donc je le sais quoi. Ouais, on le sera absent sur le site. Je signerai ça d'absence. Donc c'est bon, bah, on vire pas Mosqueto. Non, regarde. Ça c'est bon du coup. Mais sinon les licenciements ce sera. Moi ça me faisait chier, c'était un bon gars Mosqueto. C'est à la fin de la revue. Ok, pas de questions. Non, aucune. Il reste 4 minutes. Pour les Qui impeccable, je vais briefer Octane. Je vais recrue, moi. Ok, je vais me changer parce que je suis seul con comme ça. Ouais. The best of the best. Ah oui, comme t'as bossé, c'est toi qui annonce le résultat, c'est toi qui a travaillé. Je vais pas prendre ton boulot. Quoi. Donc tu leur annonces. Et. Je vais demander de t'envoyer des choses. Bon, les miens arrivent dans 2 minutes. Bah, vaut mieux parce qu'après ça commence. Hein. Ah oui, tu pourras leur plomber le cul si tu veux. Le retard.
Bon, bon, c'est déjà arrivé pour la poire. Aspect ? Ouais, putain. Elle est bien ? Tu joues une cagoule, quoi. Toujours, toujours. Pas le choix. Bah, laisse pas, mon colonel. Colonel. Ça va, les filles ? C'est pas le colonel, j'ai préféré. J'y pense. Colonel. Eh, hey, les agents du gouvernement, les polices. Pour vous, le colonel, c'est quoi ? Un exterminateur de rebelles ? Ou le meilleur des colonels ? Le meilleur des colonels. Le meilleur des colonels est le meilleur. Exactement. Alors, pourtant, c'est qui et vous le répétez. Colonel préféré. Deux questions quand même là. Et le général, c'est le meilleur ou le mauvais? Le meilleur, le meilleur. Le meilleur, le meilleur. Voilà. Attends, si quelqu'un dit mauvais. Ah ouais, personne dira le mauvais ici. Il y en a qui a dit le meilleur des mauvais. Ah bon, c'est qui? Je dirais pas le nom. Je crois que c'est Douglas. Hein. Attends, deux secondes. En dernier. Je suppose j'ai pas besoin. Si tu vois un albatros avec plein de marchands en train de s'écraser, on s'étonne même pas. Pourquoi ça fait ça? Ça on s'étonne pas, ils savent pas piloter. Les miens, non, il y en a que trois qui savent piloter. Je me compte dans le lot. Je me porte dans le lot. Faire des formations s'il faut. On prend 8 sur CP, on se fait chier en ce moment donc. Ouais, j'ai pris une. Non, mais ça a déjà été demandé, j'attends juste un rendez-vous avec le ministre en fait. Qu'ils me disent quand ces gars sont dispo et quand je peux le faire. Oh, bah, tu les prends quand tu veux, hein. Tu... Bah, quand je veux, c'est à leur disponibilité. Mais si t'en prends un par un, ça va ou deux par un. Ouais, c'est sûr. Oui. Bon, dépêche un peu le dernier. Tiens, les voilà. Et même t'as raison, mon petit crâne d'œuf. Prends tes petits nuggets, trempe-les dans la sauce barbecue. Vous en bien partout. Et après, tu prends jouer. C'est moi ou t'as pas beaucoup d'agents là? J'ai l'impression, ça me donne l'impression que t'as pas beaucoup. Allez, on fait un peu. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus petit que la dernière fois. Ah oui, il y en a beaucoup moins. Hein. Un de moins, à la limite, que la dernière fois. Ah bon, tu... ça va, ça me fait ça mentalement. Ça... Ah ça. Oui, non, effectivement, il y en a moins qu'à la semaine dernière. Ah, c'est vrai. Bon, il y a des émissions cette semaine encore. Encore ? Bon, bah voilà. On attend tes gars là ou... Ouais, ils sont là-bas. Oh, tu peux commencer, hein, ils se mettront après. Faut voir, ça les fait. Concernait pas. Bon, eh bien, bonsoir à tous. Okay. Donc, ce soir, encore une nouvelle cérémonie. Nous allons donc commencer par les résultats des recrutements qui vont être annoncés par les différents chefs des squads. Donc les personnes qui seront malheureusement refusées seront priées à quitter l'enceinte de ce de commissariat d'après. Pour les autres, eh bien, on vous expliquera comment ça se déroulera. On va commencer du coup par CPA. Hey Max, comment ça va? Résultat. Mais si les 4 messieurs qui veulent venir dans CPA, s'il vous plaît. En ligne ou en colonne? En ligne, ouais. En ligne. Rapprochez-vous. Hein. Non, mais l'un de l'autre, monsieur. Ah. Bah écoute, nickel. Nickel, nickel. On va dire que c'est ouais, bon. Cérémonie, ah, comme tous les jeudis. Salut Narios. Du coup, messieurs, je vais vous dire clairement, vous avez tous été acceptés à part une personne, je vais laisser la personne s'avancer directement aller à la grille. Monsieur Liang, vous n'avez pas été accepté dans le CP. Je vais juste vous laisser repartir si quelqu'un peut l'accompagner. Je m'en occupe. Merci. Du coup, messieurs, vous trois, vous êtes acceptés en tant que CPA. Vous allez passer une semaine en tant que recrue pour la police et deux semaines dans le CPA. Au bout de ces deux semaines, vous allez être certifié oui ou non CPA. Du coup, je vais juste vous laisser retourner dans les...
C'est vrai que je les ai pas suivis les recrutements cette semaine. Et bon courage. Non, je les ai pas suivis. Mon général, mon colonel, monsieur le ministre, c'est fini. Merde. C'est reçu, retourne à l'Iran. Tu peux pas être sur tous les fronts, hein, les deux. Ah non, je peux pas. Cobra, à vous. Salut Gugu, comment ça va? Bon respect, mon colonel, mon général, comment tu vas, mon petit Gugu? Salut. Alors, je demande au potentiel recru de Cobra de s'avancer. Comment il va, Gugu? Comment il va, le plus permanent des VIP? On va s'en sortir. Les noms que je vais citer n'ont pas été retenus. Et vous allez faire un pas en avant. Jason Stoker et Jacques Hammer. Tout le reste, vous avez été accepté dans Cobra. Félicitations. Je vais se retourner à votre place. Les deux personnes, je vous raccompagner. Félicitations. Les recrutements sont finis. Vous n'oubliez pas de les remercier là, quand ils ont fait une candidature mais qu'ils sont pas pris. Hein. On disait que vous pouvez quand même les remercier d'avoir fait des candidatures et que c'est pas définitivement fermé. Pour eux. Ah, je vous remercie alors. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Préféré. Ben, on va passer à Viper du coup. Viper, à vous. Mon colonel, mon général, monsieur le ministre, mes respects. Les trois nouveaux. Viper, s'il vous plaît, devant moi. Faites une ligne. Faites une ligne devant moi. Alors, tous les trois, vous avez fait une candidature pour rejoindre l'escouade Viper. Donc vous êtes 3, mais seulement 2 ont été retenus. Et donc, je vais citer, ça sera les personnes qui seront acceptées. Et du coup, la personne qui ne sera pas acceptée fera un pas en avant et sera redirigée vers la sortie. Adrien Baranowski et Alex Masgonagan. Monsieur Anderson, vous n'avez pas été retenu. Si quelqu'un peut l'amener à la sortie, s'il vous plaît. Du coup, vous êtes tous les deux acceptés en tant que recrues pendant une durée de une semaine. On compte sur vous, dans les squads Viper, de faire votre mieux et de montrer de quoi vous êtes capable. J'en ai fini pour Viper. Allez-y, mettez-vous là-bas. Maintenant qu'il n'y a plus que des membres des forces de l'ordre slash sécurité civile, puisque maintenant toutes les personnes qui sont ici sont soit des recrues soit des policiers, on va pouvoir parler des petits soucis qu'on a rencontrés cette semaine. Ça concerne évidemment pas les recrues, mais ils vont devoir en prendre note. Donc messieurs, je vous dois encore vous demander de faire attention à votre conduite sur la route, etc. Les excès de vitesse injustifiés, tout ça, seront sanctionnés. C'est pas la première fois que je le dis. Et je vais pas me répéter une troisième fois. Donc attention à la conduite. Pareil, les gyrophares qui sont utilisés juste pour faire des excès de vitesse, c'est pareil. Fonctionnera. Contrôle d'un civil d'un véhicule, mais vous restez pas sur la route. Respectez un petit peu les règles de sécurité. Vous mettez en danger vous et les autres civils qui peuvent arriver en voiture. C'est pas tout ça. Ensuite, oui, j'espère que vous avez tous lu la petite note de service qu'il y a eu hier par le colonel concernant les engagements et le comportement adapté à adopter selon les situations. Très important. Et ça ne vous sera pas pardonné ce genre d'erreur. C'est la base du métier, vous devez savoir comment réagir face à des personnes dangereuses, face à des civils. On sera exigeant là-dessus aussi. Pareil, attention aux communications radio, c'est pas normal que j'ai besoin d'appeler 4 fois une escouade. Je rappelle que les chefs d'escouade sont censés avoir une radio longue portée sur eux, donc ils doivent pouvoir répondre à tout moment. C'est reçu pour ça? Reçu. Merci, Jess.
Il est con. T'as quelque chose à rajouter, Cédric? Tout à fait. Après, sur le discours général. Hein. Je te laisse la place. Bon, chers recrues, chers gradés, chers policiers, comme vous le savez, je suis le colonel Dédé, le colonel le plus dur, le plus gentil aussi de cette police. Je serai toujours le premier à poser le pied sur le champ de bataille et le dernier à l'enlever, afin de vous ramener tous vivants de nos missions périlleuses, mais également de notre mission principale qui est de protéger les citoyens d'Altis. J'ai dû faire face cette semaine à des civils dans la brigade aérienne avec des armes dans le bâtiment, comme j'ai pu le référer. Un avocat, non pas, excusez-moi, monsieur le ministre, privé, mais pas plein, au milieu de la brigade aérienne, qui m'enregistre des communications et souhaite déposer plainte contre la police. Cet avocat était d'une bande de rebelles, malfrats, qui voulaient nous pousser à l'erreur. J'ai réglé le problème. Cette personne est en prison, définitivement, et nous nuira plus. C'est pareil, un civil ne fait pas la loi dans une brigade. C'est les policiers qui font la loi dans la brigade. Que ce soit bien clair pour tout le monde, je ne veux plus voir de civils armés dans la BA, que ce soit d'une arme civile ou pas. Ça reste une menace. Ensuite, vous n'êtes pas des bisounours, les gars. Mesdames, vous n'êtes pas des bisounours, vous êtes des policiers. La force doit rester à la loi. Et la loi, c'est nous. Nous sommes le bras droit de la justice, équipés d'une épée pour trancher le bien et le mal. Le bien, c'est nous, le mal, c'est les rebelles et les bandits qui sont à l'extérieur. Si vous avez des interrogations, je suis toujours là et je vous y répondrai avec cœur et honneur. Est-ce que vous m'avez compris, police d'Altis? Oui. Alors soyez fiers de votre uniforme et je vous donne rendez-vous sur le champ de bataille. Mmh. Ok, pour moi. Bon. De mon côté, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout fonctionne correctement. Au niveau organisation judiciaire, je remercie la police par rapport aux saisies que vous avez faites et au rapport que vous m'envoyez. Donc voilà. Sinon, je n'ai pas de retour autre négatif. De mon point de vue, aussi que je commence à en avoir marre que il y a des civils qui se prennent pour des policiers et en fait c'est pas des policiers, comme l'a dit le colonel, au plein milieu d'une BA, c'est pas eux qui disent, qui se permettent de dire ou autre, même un avocat, c'est vous pour qui vous portez l'uniforme et l'insigne. Donc de mon point de vue, je crois que le colonel D a tout résumé. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Parce qu'il y aurait pas ce que t'as dit. Personnellement, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Tac, tac, tac. Capitaine Stivers, où est-ce qu'il est passé? Il y a un problème, mon général. Bah, viens faire son annonce à sa place. J'ai pas annonce c'est facile. Niveau des recrutements. D'accord, très bien. Alors pour tous, ça va être simple. Ça avance tout vite, ça dit donc. A besoin. Je pensais que c'était une autre annonce qu'il avait à faire, parce qu'il en a plusieurs, il me semble. Bref, pour tous, pour ceux et celles qui souhaitent rejoindre la SIRA. La SIRA recherche une. Mais c'est le SIRA, si même le solide c'est pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? Minimum de grade d'adjudant. Si vous souhaitez faire partie de la SIRA, squad d'élite de la police, vous aurez à faire votre demande à soit moi, soit Whisky, soit au gradé qui nous feront transiter les informations. Dans le cas contraire, on n'en demande pas. Donne plus. Donne le tournis là. Yes. Donne le tournis. Donne le tournis. J'ai envie de bouger, t'as pas besoin de bouger là, mets-toi en face de. En attendant, messieurs, ceux qui souhaitent postuler, j'en ai entendu beaucoup râler, et maintenant, sachez qu'on en recherche deux parmi vous. Il n'y en aura que deux de prix. Grade d'adjudant, bien évidemment. J'attends de vous de faire vos preuves si vous souhaitez rentrer dans la SIRA.
ce, mon colonel, mon général, je lui dis j'en ai fini. Merci. Attends à ta place. Respect. Salut Yuri, comment il va? Le sportif de haut niveau. Ok, donc la recrute Sierra, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien que une personne par escouade vienne nous faire un petit débrief de la semaine concernant les groupes et les individus les plus dangereux qu'on a croisés cette semaine. Et l'évolution un petit peu de la situation. Elite, je vous laisse désigner une personne. On va commencer par Viper. Maz. Mon colonel, mon général, monsieur le ministre, mes respects. Un peu plus fort, Maz. Donc pour nous, pour cette semaine, on a pu croiser un organisme qui se nomme les pandas, si je me trompe pas. Mais à ce niveau-là, pour moi, c'est surtout les civils, on va dire, qui sont indépendants, qui nous causent le plus de problèmes au courant de la semaine. Voilà, des personnes qui cherchent à jouer avec nos nerfs, à nous provoquer en permanence. C'est à ce niveau-là qu'on doit rester vigilant pour la part pour les Squad Viper. Bon, pour toute la police. C'est reçu. Voilà, merci, j'en ai terminé. Bon, on vous écoute. Monsieur le général, mon colonel, monsieur le ministre. Mmh. Du coup, nous, pareillement, pour les Squad Cobra, on n'a pas eu trop de groupes, on n'a pas trop croisé. Plutôt des petits délinquants qui font des excès de vitesse sur la route. Ça, ils sont de plus en plus nombreux, mais pour les groupes, voilà, pas d'arrivement, les pandas méchants qui commencent à se développer et commencent à être assez agressifs, et sinon pas plus que ça. Non Yuri, c'est ils sont voilà, encore voilà, là, il y en a même des nouvelles. Des bruits pour Sierra. Nick Nick. Très bien. Là. Le Miss Clicker. Négatif, c'est Bibi, mon colonel. Ah, c'est Bibi. Mon général, mon colonel, monsieur le ministre. Ça va. Ouais. Ça va pas. Donc, pour cette semaine, personnellement, le taux de criminalité a beaucoup baissé. Comme pour les autres escouades, on a également les pandas méchants qui commencent à vouloir prendre du terrain et qui commencent à montrer des motivations de tenir des territoires. J'ai remarqué qu'en ce moment ils engagent beaucoup plus que d'habitude et ça serait sûrement une grosse menace pour le futur. C'est tout. C'est quoi le territoire qu'ils veulent tenir? Il me semble qu'ils veulent tenir les ressources de cigares en général. C'est ce que j'ai pu entendre dire. Mmh. D'accord. Ça en est tout. Merci. C'est tout? Bah c'est pas grand chose. Bah c'est pas grand chose. Ouais c'est ça. Bon bah alors moi j'ai un problème avec ça les gars. Alors j'entends parler que des civils foutent la merde sur ce putain de territoire. Hein. Alors moi j'entends dire que des civils portent. C'est bon. On vous entend pas. C'est bon, vous m'entendez là? Allô? Allô? Voilà, excusez-moi. Alors j'entends dire que des civils foutent la merde sur le territoire d'Altis. Certes. C'est à vous de régler le problème. Tu m'entends pas? Si, si, on. Ah. Ensuite, j'entends parler de la panda méchant. La panda manchette est un groupe rebelle qui n'ont aucun scrupule à vous neutraliser, à vous prendre en otage, à vous torturer et à piquer vos bagnoles et à vous demander vos équipements. Répondez par la force. Voilà la réponse qu'ils veulent. Quand ils viennent toquer à votre portail et vous disent vous sortez quand parce qu'on s'ennuie, je suis désolé, les gars, on est policiers. Ensuite, vous me parlez des événements de la semaine. Il me semble qu'un groupe de bandits appelé Scorpion commence également à foutre la merde sur ce putain d'île. Apparemment, ils avaient détenu un casino qui a été vendu à une personne. Et apparemment, de suivant mes informations, ils traitent aussi dans le LSD. Est-ce que vous confirmez? C'est des informations que j'ai pu entendre mais la semaine dernière. Voilà. Après, il me semble qu'on a fait une perquisition dans un domicile où on a trouvé des armes illégales au niveau du Negades. C'est vrai ou pas, Sierra? Affirmatif. Eh ben voilà, c'est sur des informations aussi à transmettre. Vous voyez pas? Respect. Ensuite, j'ai capté une discussion au niveau de l'entreprise de la LC qui vend des voitures.
il y aurait une entreprise de savon qui propose des camions de savon contre la négociation d'un certain prix. Et on m'a dit que ce savon n'était pas forcément du savon. À nous d'aller voir ça. Voilà les informations qu'on vous demande aujourd'hui de nous transmettre. Je suis colonel, certes, mais j'ai des informations et j'ai l'impression que j'ai plus d'informations que vous, là. Il y a un problème. Autre chose, le premier, et là je parle aux recrues, SIRA est une équipe anonyme, travaillant dans l'ombre. Sous anonymat, ils infiltrent des groupes, ils ont des renseignements. Il faut ne jamais, jamais, jamais compromettre leur identité à qui que ce soit. Est-ce que vous avez compris ? Voilà. Le général vous a demandé des renseignements de la semaine. Expliquez tous les renseignements qui ont été faits. Là, j'entends parler d'une famille panda méchant. Il n'y a pas que. Il y a plein d'infos. Juste de la savoir. Parlez, mon colonel. Oui. Hey, une recrue, monsieur colonel. Ouais, vas-y, parle. Et j'ai également eu des informations d'un groupe que j'avais infiltré. Il se nomme la Mafia Corleone et il revendique le LSD. Voilà. Et des taxes du coup là-dessus, j'ai une vidéo où on voit le visage d'un des chefs et donc où il se présente la Mafia Corleone et le disent clairement qu'ils prennent des taxes sur le LSD. Putain, mais t'es un putain de rebelle toi. Je travaillais pour vous, colonel. Ah bon ? Ouais, je sais pas. Bon, voilà les informations que vous souhaitez. Vous êtes tous au courant ? Donc voilà, prenez-en note. Et action, réaction, comme on dirait chez nous, n'est-ce pas, monsieur le ministre ? Tout à fait, Dédé. Bon, donc pour la semaine prochaine, vous ferez pareil, donc n'hésitez pas à noter des trucs, vous faites normalement des rapports de patrouille tous les jours, donc faites un petit résumé qu'on puisse en avoir toutes les informations nécessaires à la réunion. Je voudrais aussi transmettre les infos importantes aux absents. C'est responsabilité chef d'escouade. Je me permets, je fais rappeler, toute saisie... Vous me faites un petit rapport clair et net, explicatif, où vous avez fait votre saisie, la chose, et vous me l'envoyez. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Parce que ça représente l'or. Tu diras à celui qui allait voir la saisie. Qu'on chôme pas. D'ailleurs, en parlant de ça, je cherche aussi un volontaire pour être responsable de la communication de notre belle police. Si quelqu'un est tenté par la chose, c'est-à-dire réalisation de petits reportages, d'affiches, un peu n'importe quoi pour, ça c'est bien, pour communiquer sur les actions de la police, il me contacte. Il recevra une prime par action. En plus, l'OGA met aussi une prime. Par rapport à quoi ? C'est bon, c'est reçu ? Oui, affirmatif, mon général. Et bah sur ce, je vais laisser les chefs d'escouade s'occuper du débrief de la semaine au cas par cas. Et bah on va commencer par celui qui veut. Sauf mon SC, messieurs, on a un voyeur là-haut. Ouais bah il peut. Du coup, je vais m'occuper de Cobra. C'est pas un cavoyeur, il transmet pas. Alors pour Cobra, dans l'ensemble, très bonne semaine. J'ai pratiquement rien à vous redire. Continuez comme ça, on va reprendre des entraînements et ça sera parfait, donc dans l'ensemble une très très bonne semaine. Du coup je vais appeler la recrue Targaryen devant moi. SP, comment s'est passée votre première semaine recrue? On vous entend pas. Wow, je l'entends pas. Personne. Tu veux de la bouffe? Mais je bouge pas de là en fait. Non mais je peux te donner. Vous entendez? Oui. Du coup, ça vient de monter au cerveau. Ça vient un peu comme ça. Parce que, on va dire, c'était le moment où je me mettais dans la peau d'un policier, en quelque sorte. Et sinon, par la fin, je trouve que je me suis un peu amélioré. En effet, ça s'est bien passé. Faites attention à votre activité, c'est d'être plus présent. Et sinon, continuez comme ça et ça sera parfait. Vous passez brigadier. J'ai totalement zappé le coup de la. Attendez dans l'air. Félicitations, fiston. Bravo. Bravo. Recrue Alfred.
respect, repos. Comment s'est passée votre semaine, vous? La semaine, dans l'ensemble, s'est bien passée. Je suis arrivé, je me suis direct bien entendu avec mes collègues, que ce soit chez Cobra ou même dans les différentes escouades. Juste pareil, au début, un peu de mal à m'y faire, mais sinon, je trouve qu'après, ça a été correct. Parce que j'ai fait. En effet, on n'a rien à vous reprocher, pareil, continuez comme ça, et tout se passera au mieux. Vous êtes promu au grade de brigadier, félicitations. Ouais, bon. Bravo. Passons dans les rangs. Salut Timac. Yop, Steamers. On crue le blanc. Il faudrait que j'aille vite fait voir sur d'autres colosseurs. SP. Donc vous, votre semaine de réintégration, comment ça s'est passé? Ça vous rappelle de bons souvenirs? Oui, pour moi, mon lieutenant, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense pas. Aucun souci, ouais. En effet, c'est parfait. Donc, vous passez au grade de brigadier. Continuez comme ça. Ouais, non, c'est dans les rangs. Bravo! Brigadier Riol. Merci, ma belle. Aspect. Pour vous. La semaine dernière c'était bien passé, cette semaine ça se passe bien aussi, donc je dois vous dire continuez comme ça. Et pensez à articuler aussi, ça dépend de vous comprendre. Et sinon, passez au grade de brigadier chef, félicitations. Ouais, félicitations. Vous pouvez rentrer dans les rangs. Cru Ramsey. Moi le plus mal, je sais pas pourquoi. Pardon, brigadier, excusez-moi. Respect. Mais franchement, Max, t'es là, je vais te le dire. Franchement, bien. Bonne semaine. Vous avez bien bossé sur l'entreprise de savoir. Hein, vous entendez très bien. C'est l'exemple que je donne aux autres. En fait. On vous entend pas, on vous voit pas. Vous faites vos business et franchement, c'est au grade de brigadier chef. Franchement, moi je kiffe carrément ce que vous faites. Félicitations. Félicitations. Je suis permis de brigadier chef. T'as bien de jeter un coup d'œil dessus. Parce qu'il transmet par. On continue par AD. De quoi? Je suis permis de demander à Octavia d'aller jeter un coup d'œil. Bon, vous, par rapport à monsieur, vous avez dit qu'il fait que parler un peu plus. Transmission par ça va, vous êtes un peu amélioré, vous parlez un peu plus sociable, c'est parfait. Attention, votre casque est cagoule. Je sais que vous les aimez bien, mais pensez à les enlever. Follower. Tenova, merci d'avoir follow la chaîne. Bienvenue à toi. Tu aussi peux nous rejoindre sur Discord pour jouer en jeu de communauté Apex, R6, LOL et tous les autres jeux. Et sur YouTube pour avoir les. Pour prendre rendez-vous avec les médecins. Merci à avoir votre formation. Au passage au grade d'adjudant et continuez comme ça. Félicitations. Félicitations. Bravo. Félicitations. On voit rien du tout au Forest. Adjudant Scott. SP. Oh. Du coup, vous, cette semaine, j'ai eu aucun retour négatif sur vous comparé à la semaine dernière, donc c'est très bien. Vous commencez bien à comprendre le travail de lead. Vous commencez à bien lead, donc continuez comme ça. Merci d'être venu, merci à toi. Et donc, vous passez au grade d'adjudant chef et puis continuez comme ça, c'est parfait. Bravo. Merci, mon état. Félicitations. Bravo. Et adjudant chef Gambino. Scott est toujours là. Et... Bah du coup vous aussi bonne semaine. Continuez comme ça, j'aime bien pouvoir compter sur vous. Et puis j'ai fait passer votre lettre pour passer officier à l'état-major. Donc eux qui décideront pour la suite. Bon ça va Enzo. C'est bon. Retourner dans les rangs. T'es content d'avoir été pris dans la police? Le général, mon colonel, monsieur le ministre, j'ai terminé avec Cobra. Félicitations lieutenant. Hey, merci. Viper. Ouais Max, je sais, je suis en train de voir avec les Viper les entrepôts qui sont détenus par des gens qui viennent plus ou qui viennent juste pour garder leur entrepôt pour ça déjà. Monsieur le ministre, mon général, mon colonel, mes respects. Et ça bloque beaucoup de. Pour les squads Viper, le débrief de cette semaine. Donc on va le scinder en deux parties, les gradés puis ceux qui sont pas gradés. Donc les gradés, j'ai rien à vous dire, vous faites bien votre travail, c'est pas pour rien que je vous ai choisi. Donc faut continuer là-dessus, il va falloir un petit peu plus m'encadrer ceux qui sont en dessous de vous. Donc on arrive au point négatif. Quand on me fait remonter des choses négatives,
quand ça vient de mon escouade, ça m'enquiquine un peu. Mais quand c'est des leads, ou des sous-leads, ou des gradés des autres escouades qui viennent me voir pour me faire remonter des problèmes de comportement sur des mecs de chez moi, ça me fout la rogne. Donc on va en parler après, on lavera notre linge sale en famille, mais sachez une chose, c'est que pour les problèmes de comportement et discipline, je suis absolument pas content. Et on va falloir mettre les choses au point, et vous l'avez vu, ça a déjà pas traîné, j'en ai déjà viré un, donc faites attention. Et on fera du cas par cas en privé. Donc on va procéder maintenant au passage de grade. Donc je vais appeler la recrue, Juan-Philly devant moi s'il vous plaît. Passe-moi le temps. Repos-Philly. Bon, alors vous, vous êtes un ancien policier, il me semble. Vous étiez gradé en plus, adjudant-chef. Plusieurs choses. Vous êtes recrue, et pour moi, vous n'avez pas un comportement de recrue. C'est-à-dire que vous arrivez dans la police pour votre premier jour, vous demandez à prendre un lynx et à le mettre dans votre voiture en tant que recrue. Donc déjà, d'une, vous n'avez pas les accréditations pour avoir accès au lynx, il me semble. Et de deux, partir en patrouille, simple patrouille de policier, mettre un lynx dans la voiture, c'est pas chez nous que ça se passe, quoi. Il y a encore 2-3 jours, même mon binôme éco, ils n'avaient pas autorisation de prendre les snipers lourds. Donc c'est sûrement pas vous. Et ensuite, le gros point noir, ben, vous êtes au courant. Hein. Il y a un lead d'une autre escouade qui est venu me voir. Vous aurez fait une réflexion. Ce qui vous sauve la mise, je vais vous le dire très franchement, c'est votre travail chez le doc. Je l'ai constaté de moi-même. Il n'a pas besoin de venir me voir que vous aviez bien travaillé quand vous étiez avec le doc. Donc c'est ce qui sauve vos fesses. Vous passez pas brigadier, mais je vous laisse une chance. Vous refaites votre semaine de en tant que recrue. Est-ce que vous avez compris ? Fille, est-ce que je pourrais juste vous parler après ou pas, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, je l'ai dit, on lavera le linge sale en famille. Y'a pas de problème. Ça. Retournez dans les rangs. La recrue Collins Navarra. Ça se passe comment pour vous ? Repos. Très bien, vous êtes sûr ? Même chose, j'ai des problèmes. Alors quand moi je suis avec vous, j'ai pas grand chose à dire. Ça a l'air de bien se passer. Le problème, c'est que j'ai des problèmes de comportement qui reviennent. On en a parlé hier. Donc vous savez de quoi je parle. Donc même chose pour vous, ce qui vous sauve la mise, c'est que moi des fois je vous vois vous bien vous comporter. Donc vous allez refaire votre semaine de recrue. Par contre la semaine prochaine, si j'ai, c'est aussi valable pour tirer Philly, je l'ai pas précisé, mais le moins de problème de comportement, même si je vous vois bien travailler, ça sera la porte. Quoi. Vous avez pas le droit à l'erreur, vous êtes des recrues. C'est si à un moment où vous devez être irréprochable, encore plus que dans le futur, c'est maintenant. Je le rappelle, je m'adresse aussi aux deux recrues. Vous êtes pas policier, hein. Vous êtes en test. Si vous faites pas l'affaire, c'est dehors. Donc vous allez refaire votre semaine en tant que recrue. Est-ce que c'est compris ? C'est normal, c'est les promotions. Vous pouvez retourner dans les rangs. Tiens, du haut du monde. Je vais appeler brigadier chef Ivar. Repos, brigadier chef. Comment vous sentez vous ? Ça va ? Attention. Ouais. On en a un petit peu. Ouais, j'entends pas, s'il vous plaît. Parlez plus fort, Ivar. On en a parlé hier également, hein, j'ai commencé déjà un petit peu. Attention aux écarts de langage, notamment avec les civils, et j'insisterai aussi sur ce qu'a dit le colonel. Vous êtes policier, vous n'êtes pas un civil, donc le civil il vous marche pas dessus. Cet après-midi encore, quand j'arrive et que je vois que vous êtes en train de prendre la pièce d'identité dans la poche du civil parce que celui-ci veut pas vous le donner, c'est pas normal. C'est à vous de vous faire respecter et de lui imposer qu'il vous donne la pièce d'identité, vous n'avez pas à lui prendre. D'accord ? Donc ça c'est pareil, c'est une faute. Je veux pas le revoir, surtout dans un brigadier chef. Normalement, c'est censé être acquis. Ok ? Reçu, moi, heureusement que je suis arrivé au bon moment, parce que sinon vous allez faire une connerie. Vous avez compris ? Oui, moi, bon. C'est bon, donc vous restez brigadier chef. Il faudra me montrer un petit peu plus pour passer adjudant, donc au niveau du comportement, de la discipline et aussi du leadership. Vous pouvez retourner dans les rangs. Le brigadier chef Mike Bellick, s'il vous plaît. Respect, lieutenant. Repos, Bellick. Bon, vous vous sentez comment dans la police ? Bah, très bien. Ça se passe bien ? Oui. Vous êtes content ? Malgré le fait que votre papa soit parti ? Oui. Bon, Bellick, on a remarqué quand même une nette amélioration sur votre comportement. Donc, vous êtes toujours quelqu'un de jovial. Vous êtes le bout en train de l'escouade. Donc, vous faites rire vos camarades. Et ça, c'est très apprécié. Néanmoins, vous avez appris un petit peu à vous modérer et à être un petit peu plus sérieux un peu plus souvent. Donc, c'est bien. Faut continuer comme ça. Continuez à être sérieux et continuez à faire rire vos camarades. Au sein du binôme Charlie, donc je suis souvent avec vous, vous faites un très bon travail, donc j'ai décidé de vous nommer référent. Ça sera vous, désormais, le patron du binôme Charlie, et charge à vous de former les recrues et de faire votre sélection également pour ceux que vous voulez voir bosser avec vous. Ouais. Et il va de soi, comme je suis content de votre travail, vous passez au grade d'adjudant. J'écoute et je vous lis en même temps. Donc, merci beaucoup, mon lieutenant. Au revoir. Vous pouvez retourner dans les rangs.
Mais j'écoute ce qu'ils disent en fait. L'adjudant Beloki. C'est quand même mon rôle d'écouter un petit peu de ce qui se dit en fait dans chaque groupe en fait. Savoir où jouer. Popo Beloki. Bon, je passe l'adjudant la semaine dernière, comment ça se passe depuis? Votre petit dégradé de l'escouade, comment ça se passe? Bah, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. En général, pour moi, ça se passe plutôt bien. Donc, avec mon adjoint, on n'a rien de négatif à vous dire. Vous faites bien votre travail. Il n'y a pas de souci. Je vous demanderai juste d'être un petit peu plus présent et d'encadrer un peu les recrues. Comme je disais tout à l'heure, si les recrues, brigadiers, brigade chef font de la merde, c'est eux les premiers responsables, mais c'est aussi les gradés qui en sont les premiers aussi responsables. Parce que c'est qu'on ne les encadre pas correctement. Donc, je vous demanderai de les encadrer un petit peu plus. Vous êtes adjudant. Donc, surveillez-les un peu plus, et surtout quand ils font de la merde, vous leur dites quoi. Est-ce que c'est reçu? Reçu. Content de votre travail, pour l'instant vous restez adjudant, mais vous continuez comme ça, il n'y aura pas de problème pour plus tard. Reçu. Vous pouvez retourner dans les rangs. J'appelle l'adjudant Douglas. Respect mon lieutenant. Repos Douglas, donc vous êtes passé adjudant la semaine dernière, dimanche, depuis comment ça se passe? Je vous ai pas trop vu d'ailleurs. Ah non, j'étais peu présent. T'es pas présent? Mais vous me l'avez pas dit. Ah si, je l'ai dit à l'adjudant chef du MAS. Les flics ripoux sont sur le site de Lille. Parce qu'en fait, patron, c'est moi, c'est mon premier qui faut dire. Le flic ripoux, c'est que le flic ripoux, on l'a mis en test. Bon, vous êtes passé là dimanche. Comme je dis pas là, j'ai pas grand chose à vous dire, que ce soit en position négative ou en positif. Il n'y avait pas grand chose à vous reprocher avant, si ce n'est de vous imposer un petit peu plus. Donc j'espère que maintenant que vous êtes adjudant, vous allez me montrer ça, que vous vous imposez un petit peu plus. C'est reçu. Affirmatif. C'est bon, oui, vous pouvez dans les rangs. J'appelle l'adjudant chef Agrest. Sur le live, il n'y a que les flics. Ah non, je te rassure, il n'y a pas que les flics. Non, c'est pas bon le temps. Non, il y a des bandits. Pour Agrest, pour vous, pareil, il n'y a pas de secret. Ça se passe bien, je suis content de votre travail. Je suis content, vous avez été nommé recruteur au sein de mon escouade. Vous avez bien travaillé. Ça fait plaisir. Vous avez fait le taf. Donc, j'ai rien à vous dire. Continuez comme ça. Continuez également. Je voudrais que vous soyez un petit peu plus présent pour encadrer justement les recrues brigadiers, brigadiers chefs. Comment ça va? On a un petit peu moins de problèmes comportement à l'avenir. Est-ce que c'est reçu? C'est reçu. Vous avez fait votre lettre d'officier, donc elle est transmise à l'état-major. Alors, l'information concerne, c'est pas moi qui décide, mais vous savez très bien ce que j'en pense. C'est aussi voilà. Merci. Vous pouvez retourner dans les rangs. Major Redfield. C'est vrai que ça serait pas ça serait équitable pour avoir une image. Repos. Alors, ça a changé, Yuri. Donc, rien à dire. Hein. Le médecin-chef de la police fait très bien son travail au niveau de la police, au niveau de mon escouade. Donc j'ai rien à dire, tu continues comme ça, tu fais du bon travail, et en plus, pour les rebelles, quand il faut un peu aller au charbon, tu y vas, donc alors, c'est bien, je suis content. Tout. Tu mérites amplement ton grade c'est de major, vous vous trompez, continue les gars. Comme ça, c'est bien. En fait, on ne demande pas, on demande plus d'avoir tu des peux retourner dans les rangs. Là, tu es dans le chef du MAS. Tu ne peux pas être dans un groupe pour l'unir. Par contre, là, quelqu'un qui cherche des renseignements dans une famille qui n'y rend pas, il a le droit. Depuis la semaine dernière, comment ça se passe? L'intelligence du truc. Pour moi, ça se passe relativement bien. Je pense avoir pris en main mon rôle. Ouais. Puis, on a plus d'indique dans les familles en fait. Assumez ce que vous me demandez. Ok, donc moi je suis content de vous, il n'y a aucun problème là-dessus, vous faites bien votre boulot, vous m'aidez bien. Alors juste le seul truc que je peux vous reprocher, soyez, prenez un peu plus l'exemple sur Mike Bilic, de ce côté-là, pour le côté un peu bout en train. Alors au niveau discipline et tout, au niveau commandement, j'ai rien à vous dire, vous savez commander les hommes, vous savez les mener, il n'y a pas de souci, mais des fois, ils ont peur de vous, mon adjudant chef, ils ont très peur quand vous arrivez, donc essayez de les faire un peu rire des fois. Ils vont se détendre un peu parce qu'ils ont peur. Ils ont très peur de vous. Ils ont plus peur de vous que de moi, donc je suis un peu jaloux en fait. Ok. Il y a pas de souci, j'essaie de travailler là-dessus. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police? Ça va faire 4 mois. Ok. Donc vous avez fait votre lettre d'officier, c'est ça? Affirmatif. Ok. Bon, vous savez très bien ce que j'en pense. J'ai pas besoin de le dire devant tout le monde. Et en attendant le résultat de votre candidature officier, au vu de votre ancienneté au sein de la police. Et au vu également des services que vous avez rendus et de votre activité constante, j'ai décidé de vous nommer au grade honorifique de major. Merci, mon lieutenant. Félicitations et on l'applaudit, messieurs, c'est un major. Bravo! Félicitations! Félicitations! Bravo, Dumas! Avec un Z ou sans Z? Avec un Z, mon colonel. Avec un Z. Mon colonel, mon général, monsieur le ministre. Parfait. J'en ai terminé. Merci, mon lieutenant. Suivant. Super. Mon colonel, mon général, monsieur le ministre, mes respects. Maintenant. Du coup, je vais appeler devant moi brigadier Scarfield.
respect. Pas. Ah, je prends mes respects. Brigadier Robot. Du coup, c'est votre dernière semaine en test dans CPA. Comment s'est-elle passée? Plutôt bien, mieux que la première. Voilà, toujours, j'ai quelques petites erreurs. J'essaie de m'en apercevoir et de continuer à m'améliorer. Curatif, j'ai cru voir ça. Pour moi, dans l'ensemble, vous faites un bon boulot. Par contre, je vous demanderai d'être un peu plus concentré sur les actions, de vous entraîner aussi à manier l'L4, donc essayer d'être un peu plus mobile au niveau du dragon. Bah, je ne sais jamais, général. N'hésitez pas à nous en poser, hein. Il y a l'adjudant-chef Yuga qui est là aussi, et l'adjudant-chef Follet. Sinon, pour moi, tu es confirmé actuellement CPA. C'est les deux. Je t'invite à retourner dans les rangs. C'est Octavien qui dit des conneries. Félicitations. C'est bien, après. Je parlais dans ma tête. Attendez. C'est de l'autre côté. Brigadier Cooper devant moi. Maintenant. Respect Cooper. Repos. Du coup, Cooper. Actuellement, je te vois prendre pas beaucoup de leads, donc je te demanderai d'être un peu plus là-dessus. Il faudrait, je te demande à toi spécialement de guider un petit peu les recrues, les nouvelles recrues, les trois recrues qu'on a recrutées. Ce serait assez sympathique de ta part de les guider, de leur donner des petits conseils. Du coup, voilà. Sinon, pour finir, tu passes brigadier chef. Pour moi, tu mérites. Et tu peux retourner. Félicitations. Félicitations. Bravo. Bravo Cooper. La respect Yuga. Du coup, cette semaine, tu as pris beaucoup de leads. Je suis fier de toi. Continue dans cette direction. Comme Cooper, essaye de guider les nouvelles recrues. Mais pour moi, c'est tout. Tu peux retourner au mur. J'en ai fini avec le tout. Avec CPA, mon colonel, mon général et monsieur le ministre. Merci. Merci, Molta, félicitations. Ça a été fait pour Syrah. Et enfin, encore. Syrah, à vous. Ah, j'ai pas vu quoi. Monsieur le ministre, mon général, mon colonel, mes respects. Whisky. Bon, monsieur. Faut que je la batte pour qu'il se pose ou... Jeff. Affirmatif. Et bon boulot. Merci mon capitaine. Bon solide. C'est juste être un petit peu plus rapide dans tes prises de décision. Des fois c'est un peu lent. Et tu sais très bien que dans notre section, la rapidité peut avoir un atout conséquent. Pour couvrir nos camarades. J'ai bien pris mon capitaine, j'en prends note. Alexandre. Continue ta sieste, bien. Technique. Affirmatif, mon capitaine. Tu fais du bon boulot, même des fois du très bon boulot. Je ne peux que conseiller que tu continues comme ça, afin d'évoluer correctement au sein de notre très bel escadron. Merci. Quant aux absents, je leur ferai part de mes remarques en privé, puisqu'ils n'ont pas décidé à se pointer. Bon, ok, ça marche. Je vous remercie. Parfait, Whisky. Général. Fini, non? Ouais, c'est fini. Bon, ça va. Non, on va terminer. Bon. Bon, on a fait le tour. Je rappelle aussi, là, les véhicules que vous avez tous sortis pour votre équipement. Vous les rangez tous. S'il y a un seul véhicule qui traîne, vous le retrouverez plus. Vous me devrez un peu de sous. Et puis, je vous laisse rompre. Et puis, à la responsabilité de vos chefs d'escouade. Pour tous ceux qui ont besoin d'avoir leur grade ou une potentielle licence, vous faites une ligne, et enfin une colonne, ou deux, et on passera vous donner des grades. Allez, rompez.
C'est rare, on fait. Les recrues, les recrues. Pour les Vipers, les recrues Vipers. Tu foutrais ma voiture. Vous allez à la console. Je vais prendre et c'est pas la peine de laisser venir prendre votre service. Vous n'aurez pas de place en ville, donc vous restez là, vous venez me voir et on part. Demandez votre plaque. Ok, vous allez demander votre plaque. Viens avec moi, viens avec moi. Ici dans la ligne, là. Je vais aller avec Agrès. Elle est là. Si elle revient. Sinon, on a un autre agent. Tu te mets derrière. Et allez vous mettre en tenue, les Vipers. Ok. Merde. Une fois que vous auriez pris votre service, vous avez deux recrues CPA, vous m'appelez. Alors, ça va être un peu long, les gars. Je suis désolé pour le stream. Je vais faire le up. Allez, vous faites une deuxième colonne, s'il vous plaît, ici, là. Vous m'occupez de ça, vous ? Alors, je répète, vous me donnez votre nom, prénom, et la personne qui vous précède, qui vous succède, pardon, me dit quand est-ce qu'elle est dans le bureau de Martine. Reçu ? Qui en premier, là-dedans ? Reçu ! Reçu ! Reçu. Ah. Quel grade, Belic ? Plus 1 ? Alors, Pierre Dumas pour le grade de major. Pierre Dumas. Adjudant chef, c'est ça ? C'est ça, je suis adjudant chef. Mais je passe major. Ok, félicitations. Allez, va voir. Merci. Martine, tu le dis ? Ouais, c'est allez-y. Cote. Elias. Viens me voir après, après que tu sois revenu. C'est bon. C'est bon ? Ok, suivant. On est parti. Daryl Cooper, passage de grade, brigadier chef. Daryl. Daryl. D-A-2-R-E-2-L. Nick, va voir Martin. Va voir Martin. Ouais, ouais, bah profitez-en, profitez-en. Bravo Daryl. Toujours pas parti. Vas-y, il va attendre une semaine pour l'avoir, ça, ce truc. T'as pas pour lui. Barnabé, Barnabé. Allez, c'est bon. Ça y est, enfin. Barnabé. Oh, merci de me doubler. C'est bon, les gars? Bon. Ah, mais pas des non, mais c'est une gaufre. Suivant. Ah, Barnabé. Suivant. Okay, suivant. Ah, ouais, Adrien Baranowski, recrute. Brigadier chef. Cool, mais Adrien quoi? Mathuriol. Il y a deux lignes, hein, monsieur, vous pouvez vous séparer là en deux. Là. Ok, on va voir Martine. Non. Allo? Ouais, je suis Targaryen. C'est bon. On peut se séparer en deux, hein. Ouais. Il y en a qui peuvent venir derrière nous. Taux de réflexion. Qui est le suivant? Oui, monsieur. Merci. C'est bon, il est parti? Et c'est bon. C'est bon. Tous les commandants de garage, je vous paie rapidement. Une fois que vous avez fait votre truc. Suivant. Suivant. Voilà la confirmation. Suivant. Instructeur. Jason Ramsey, brigadier chef. On va faire Ramsey. Ouais. Allez, casse-toi. Si. Attends. Alex McGonagall, recrue. Attends. Il est parti, l'autre. Tu le dis quand il est parti, je Martine. Non, encore celui-là. C'est bon, il n'y a plus personne. Ouais. Allez, toi, c'est quoi ton nom? Alex McGonagall. Alex McGonagall. Alex. McGonagall. Mac. Faut que je te trouve. McGonagall. Ok, recrue. Allez, va voir Martine. Hey. Si t'as pas de place en police, tu reviens en civil. Okay. C'est moi, j'ai réussi à avoir une place en police. Chaco. Impeccable, ça c'est bien. Allez, vas-y, fonce, essaye d'en avoir une. J'ai vraiment pris la dernière place en. Bah, tu reviens en civil alors, vas-y, okay. Va voir le Martin et tu reviens en civil. Quoi? Non, pas toi. C'est bon, il est parti ou pas? C'est bon, il est parti. Gunther Alfer, brigadier. Attends, doucement. Il a tapé le mur. Vas-y, le nom? Gunther, c'est ça? Gunther Alfred Brigadier. Mais oh putain, mais ton nom il est crié. F-A. Gunther Alfred H-A-L-F. Attends, non, le nom, juste le nom. Gunther G-U-N. U-Trema. Bien à toi. N-T-E-R. J'ai l'interdiction du général, si je fais ça, j'ai eu. Non, c'est bon, réglé. Suivant. Et ton nom c'est quoi? Alfred Lopez. H-C-P-A. H-A-L-F. Ah, ok, ça j'ai. T'as pas de Mia Lopez? En fait, c'est Luis Lopez. Donc, va voir Martin. Ok, Luis Lopez. 71-942. C'est noté. Ah, attendez.
Je te dis quand il est parti, non, il est toujours pas parti. Presque parti. Si tu fais une sieste. Voilà, oui, hein. Oh là 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 là. C'est bon. Oui. Mike et Diablo, j'ai besoin de la licence médecin ainsi qu'instructeur. Allez, même chose qu'aux autres. Hop, personne ne fait une sieste. Bon. Alors, toi, tu veux quoi, toi? Instructeur, médecin. Même Sadab se refuse Cobra. Instructeur. Et Doc. Hop, je fais baiser tu ça fait. C'est bon, tu peux y aller. Il y a un petit ouais. temps avant de te réveiller, mon petit cerfeu. Vous me dites quand il est parti? Ok. Tac. Tu m'as dit qu'on aura. C'est ouais. bon, il est parti? Non. Voilà. Il va partir. Il est parti. Okay, c'est Gdar Forest. Recrue Cobra. Forest. C'est ça. Bon. Monsieur recrue Machenzo. Sectar. Forêt de Sectar. C'est Gdar Forest. Moi j'ai forêt de Sectar. Ah. Là. Donne-moi ton tatouage, s'il te plaît. Oula, mon tatouage. Est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît mon tatouage? Combien? 65-338. 65-338. Bah, c'est bon, mèche. Suivant. Ah, si, il faut être de secteur. William Vicos, recrue. Ok, toi, t'es policier, c'est ça? Recrue. Allez, okay. Va voir Martine. Okay. Il y en a du Cobra ce soir. Non, y a un le blanc qui passe brigadier à la place de recrue. Là, tu peux... Hein? Là, tu vois, il y a un petit pas et hop. Hop. Il est parti ou pas? Oui, il est juste à côté. Un geste d'attention. Il va partir. C'est bon? C'est bon. Oh, merci. C'est bon. Je t'avais mis des balles. Suivant. Mais à l'époque, on avait. Kyle Leblanc, je passe brigadier, mon colonel. Leblanc. Hein? T'es hop, toi? Je pensais que t'allais dire. C'est bon. Bon allez, vas-y, casse-toi. C'est bon. Oui, c'est John Lacoste, recrue Cobra. Vous m'avez dit quelque chose, vous? Attendez, j'entends pas avec l'hélicoptère. C'est bon? Répétez, s'il vous plaît. Il est en train de s'équiper, en fait, il se barre même pas. Vas-y, mais dites-lui de se barrer, là. Vous lui dites quelque chose, vous? Ah, je vous dis quelque chose. Ah, je crois que vous avez déjà croisé comme j'étais encore à Cille. Fort possible. Si, je me souviens, je crois que vous vous foutiez de ma gueule avec votre nom. Non. Et elle s'équipait avant. Ouais, c'est bon, maintenant t'es une recrue, allez. Ça dégage. Du coup, je dois faire quoi? Je dois partir. Bon, il paraît. C'est Navarra, c'est pour avoir les tenues Viper. Oh, non, c'est Hydra, je vais prendre ça. Licence Hydra. Il y a de la place. Navarra, c'est ça? Navarra, ouais, c'est pour les licences. Là. Colin, c'est Navarra. C'est ça. Il y a de la place, en fait, ça. D'accord. Non. Mais c'est pour les. Ah, de suite. Ouais, alors les tenues Viper. La place. C'est quoi? C'est Hydra. Hein. C'est ça, c'est Hydra. Ouais, casse-toi, c'est bon. Si, y'a plus personne. Bon, et on a tout ce qu'il vous faut. Allez, c'est parti. M'équiper maintenant? Allez, c'est parti. Quoi? Faut que tu envoies un avion sur Rouen ainsi que. Pour qu'il parte de l'île. Basket! Et sur Alexandre Lopez, skate. Ils sont pas là, ils dégagent. Oh non, attends. Ils sont à 30. Ah oui, bah oui, je comprends les couilles. Hop. Juan Tirefelli, Alexandre Lopez. T'es connu. Ah non, Juan, c'est ça? Juan Tirefelli. Ah, excusez-moi. Et Alexandre Lopez. Ah, t'inquiète, ça me dérange pas. Hein. Vous avez pas maté, j'espère. Oh merde, tu bannes. Pas du oh tout, merde. C'est pas mon genre, attention. Non. Je vais pas les bannes. Alex Lopez, c'est ça? Ouais, Alexandre Lopez. Alexandre. Alexandre Lopez, ok, qui? On se trompe pas. Et Juan Tirefelli. Juan Tirefelli. Et oui, Juan. Excusez-moi, s'il vous plaît. Juan. Ah tiens. Merci. Je vais pas, Juan. Déjà, j'ai oublié ce détail. Bonjour lieutenant, Luis Lopez, recrue CPA. Martine m'a dit qu'elle avait plus de papier pour... vous voyez ce que je veux dire ou pas? De plus de place. Rien. Vous avez Dédé? Ouais. Je l'ai toujours pas, c'est normal ou... Ouais. À la licence, Hydra, je l'ai toujours pas. Il fait grec. Je l'ai pas. J'étais même voir dans le shop et j'ai pas la tenue. Le blanc, il est blanc. T'es parti? Oui, je suis parti, je suis revenu. Putain, t'es chiant.
Merci, merci mon lieutenant. Ok, d'accord, ça marche. Je t'explique un peu. Tu vois, ça part toi à partir. Ouais, attends, j'y vais. Reçu. Alors. T'es bras, tac. Tu fais une liste des escouades, tu vois. Dis-moi, vas-y, pars. Dessus, les escouades en bas. Tu dis quand t'es parti. Tu fais une ligne. Ouais. Tu mets en retrait, tu mets amende. Bonjour. Faut que je sache combien t'as mis. T'as mis combien d'amende soudain? Vous allez bien, monsieur? Ouais. 250 000. Écoute, tu me donnes les 250 000 et tu les marques, s'il te plaît. Je mets qui? Commentaire, je mets quoi? Ok. Tu mets amende. Tu mets en arme. Montage quand tu mets une cible, une saisie, mais pas très important. Ok. Bah, j'ai là-dessus. Comptez combien on est, quoi? 250. Et tu prends à peu près 12 ou 13 chargeurs et tous les chargeurs de rentrer dans ton sac. Et pas dans le gilet. Tout dans le sac. Rien sur ta tenue, rien dans ton gilet. Quoi? Okay. Tu me vois enfin debout. Je t'enverrai une. Bon, mon lieutenant. Ah, c'est bon, parfait. Enzo, et mon DD, pas de stock en police, je peux toujours jouer à la fin de temps, attends, bien sûr. Carrément. Carrément. J'ai peur du poli. Tu veux une part de temps? Ouais, c'est pas. Pomme ou fraise? Oui. Hein? Pomme ou fraise? Ouais. Tous les deux. Les deux. Je suis. Ah mais on balle, si on met les balles là, si je... Les balles, ouais, les pompes, il va partir. Dédé, tu fais quelle section? Voilà. Hein? Tu viens avec nous? Ouais. Okay. On va attendre un peu qu'il y ait moins de monde, comme ça au moins. S'il y a pas, marche. C'est pas grave. Bon bah je vais c'est quoi, je ferai ça après, je dirais je fais aussi surtout hein. Ne fais pas comme moi, mets les mains sur la tête quand tu vois quelqu'un. Il y a du monde là dedans tu l'appelles jamais par son grade, par son un amour pour tout à l'heure. Ok, jamais son grade, jamais son les corps, du coup j'ai mangé et tu te bien des rocs. Bonjour, je vais former au centre par exemple. Je suis là, mieux ouais, si je vais me filer de quelqu'un, je vais former au centre comme si c'était un civil lambda, je connais pas. C'est quoi que je vous laisse une nouvelle radio? Je l'ai, c'est bon, je l'ai. Oh, dédé, y'a pas là, la dédé. Comme ça. Vas-y, viens. Non, mais. Merci. À part, c'est qui... Donc, du coup, tu vas déjà retirer un peu d'argent. Tu retires quoi? Tu retires, allez, 120 000. Est. Maximum. Voilà, je suis. Aujourd'hui non, mais la semaine prochaine sûr. Alors, ceux qui sont bon. Là aujourd'hui. Ok, donc tu vas aller dans magasin. Tu vas faire avant lundi. Non. Ouais. Tu vas aller voir le monsieur. Depuis lundi, voilà. Ils font tous. Ok. Ouais. T'achètes, je vais dire ce que tu prends. Tu prends le police shirt cobra. Ouais, c'est ça. Okay. Wood ou sable etc. Tu prends le cobra normal. Après tu prends le police H1 souple 4 black. Ouais. En sac tu prends celui que tu veux. Après tu prends une casquette noire. Passage canal 4. Un amour pour tous vos véhicules, ils ont vraiment intérêt à disparaître avant de partir. Hein. Y a-t-il une le clou comme là? En lunettes, tu c'est prends quoi, ce ça que tu veux. Si ouais, hein. Ah putain, ouais, j'ai pas le nom. En lunettes, tu prends ce que tu veux et une. Puis non. En ça j'achète tout maintenant, il manque. Que deux. Et puis en JVN, tu prends le schéma GVR. C'est dans le magasin, tu vas voir le centre qui est le magasin. Il n'y a pas la place dans l'avion pourtant. Non, ouais, j'ai pas accès. On t'a retenu ce qu'il fallait prendre. C'est juste 56 quoi. Ouais. En vrai, j'ai l'impression qu'il y aurait jamais de plus, limite. Merde.
Ah, comme ça, mais entreprise. Elle est où la réunion? Calme. Se calme à la prison, mais. Tiens, une flopée de. Tiens, une flopée d'interpellés, ça va être rigolo pour s'entendre. Ouais. Tout ça pour mettre d'argent de côté. J'étais avec comment j'ai bossé ça. Salut. Salut. J'adore ce chapeau de paille. C'est Nadir ou Nabil? Nabil Azarov. A new follower. Avec Sipik, bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne. Aussi nous retrouvons sur Discord pour jouer ensemble. Merci, ça appelle sur plein d'autres jeux. Et sur YouTube pour voir les gameplays. Toi, Dédé, l'autre à bien. Où tu as raté. Merci à toi et bienvenue. Hein? 500 000. Il a pas relevé. On est d'accord que c'est qu'un dixième de ce que tu payes. Quoi? Allô? Allô? T'as récupéré l'entrepôt, toi? Hein? Non! Non, je vais le faire. Putain, mais 15 millions! Enfin, mais 20 millions. Non, je vais le faire. 15 millions. Oui, 15 millions que tu me dois, mais 20 millions que je dois gagner. Gouvernement. Ouais. Bon, allez, on se casse. Le fin de sa vie, régale, hein. Moi, malheureusement, il va falloir que j'aille préparer avec le ministre, donc vous, je ne serai bon, pas en fait, coûté jusqu'à un petit moment. Mais vous, pas, on est pas du tout. Le truc de la BRF et tout, là. Avec réunion ministre, BRF et entreprise. Mais. Le faire avec toi. Non, Nick n'est pas obligatoirement convié. Bon, je vais faire. Il peut, mais il est pas obligatoire. Sinon, il est pas obligatoire. Sinon, vous êtes whisky DD, quoi. Ah ouais. Bon, j'en ai qui l'argent. À moi, je redistribuerai. À moi. Non, bah non. À moi. Bah non. Ouais, je suis prêt à les prendre, vous inquiétez pas, vous embêtez pas. On vous dit. Ah, toi, où? Non, il y a une réunion d'entreprise, c'est ça? Ouais. En réunion de toutes les entreprises avec le ministre. Ça, ça. Béa? Béa. Ouais. Ok. Je vais les engueuler, je vais les. Ah oui. Alors vous me surveillez le Yuri Soko, s'il vous plaît. Oui, ouais. Ouais, t'inquiète pas. C'est déjà sur le coup. Et on a une enquête, enfin j'ai ouvert une enquête et je compte sur vous pour me la remplir là. Ouais. Par vos vidéos que là vous me donnez, c'est bien, mais faut les mettre dans le dossier. J'ai pas vu de vidéo dans le dossier, ça me fait Dédé, moi j'ai besoin de vous sur place parce qu'on va faire aussi identification avec empreinte digitale. Ah, ok. Bon, on arrive. T'as une voiture, quoi? Je suis pas ouais. C'est 762 comme ça? Ouais. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Elle est très belle, votre gueule. Magnifique, même, la plus belle. C'est vrai, ouais, je sais. Un beau gosse. Police. C'est 45. Dédé! Ouais! T'as une cagoule sur toi? Ouais. Ok. Dédé, je viens avec vous, vous allez directement le BA ou vous allez faire un petit tour? Ouais, il monte. Montez. Pour je renvoie l'hélicoptère. Au niveau des entreprises, je mets ta cagoule. L'autre, une cagoule? Ouais, puis après, quand on va enquêter, vous reconnaître ta tête à chaque fois. Quand vous faites des demandes de médecine. Bah, attends, faut que j'aille me changer du coup. Voilà. Ouais, ce serait mieux. Ouais. Hein? T'es un slip là! M'en fous! Quoi, si, bon, j'ai donc après, tu prends l'arme, n'hésitez pas à mettre un sur carte de l'endroit exact où vous avez deux. Ah, regardez ce qui se passe là-haut! Regardez! Oh, regardez là-haut! Oh, dis donc! De quoi? Regarde là-haut! Oh, dis donc! Y'a personne à quoi? Y'a personne. Après, tu montes ici. Qui c'est le plus beau, les gars? Dédé, arrête, Octavia va être encore toute retournée. C'est bon, ouais, tu sais. Ouais, comme hier soir je l'ai retourné. Hein. Moi je veux aller derrière. Un silencieux et puis un bip. Discord, décale, s'il te plaît. Franchement, c'est costume. On finit d'équiper les recrues, on arrive. Quoi? Non, j'ai mon machin qui me fait. Je me mets à fouiller tout le monde. C'est quoi ça? Il faut prendre de quelle balle? Parce que là, j'ai sur la plus j'ai pris. La dernière. C'est bon? C'est bon pour moi. T'as une cagoule? Oui!
casquette. T'as entendu c'est une casquette, non? Hein? T'as entendu c'est une casquette là? Bon, y'a qui avec nous, non? Par le Sierra Canal 6. Faut manger l'intérieur par contre. Et qu'est-ce que ouais, tu fais en Nick, Nick, c'est bon pour toi? Casquette est arrivée? À l'RPS! Soit tu gardes le taser ou soit tu gardes le taser. Ah, j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Regardez non. Ta radio, elle est pas retournée. Franchement, Dédé, vous êtes beau. Hein. Ah, je sais. Une radio, si elle est pas retournée. La blotte sur soi. Tu prends 4. Ce soir, du coup, comme on est 3 dragons, on va en mettre un par escouade et on testera ce que ça donne. Et pas plus. Ah, j'ai entendu. Tu veux des thunes? Tu veux des thunes? Ah, ouais, je veux bien. Allez, le premier qui dit, moi. Le premier qui chante, il en a. De toute façon, Sierra va prendre de grandes distances. Bah, si, si. Bon, je m'occuperai de ça. On assiste le ministre au niveau des entreprises. C'est bon, je suis là. Non, ce soir, on va avoir la cité d'or. C'est bon, vous êtes prêts? Pose mes chargeurs, voilà, hop, c'est bon, je suis là. Ouais, ce soir, c'est cité d'or. Allez, Sierra, on est là. Compagnie, la Hoy, il y a le casino qui vient aussi. Envoie du chien, on est là. Hein? Le premier qui chante, il a du pognon. Je répète, de Sierra toutes les unités. Voiture ou hélico whisky? Quel sale, ouais, je sais pas. Merci. Ministre est là, tout le monde est là? Ministre voilà. Avec nous, oui. On est sorti, Nick Nick. Affaire, affaire. Voilà, normalement ce soir on va avoir les 3 grosses entreprises, plus le casino, plus le bubblegum. Plus le? Bubblegum, le truc à savon. Ah, ils sont là, eux? Oui, oui, bah je fais les taxes, ça tend. Micro-entreprise. Ça passe aussi. Eh, hey, qu'ils viennent pas avec toute leur armée. Désolé pour l'absence. C'est pour ça que. Comme ça, on prend pas vous en profiterez pour qu'il y ait un petit registre des noms. C'est ça. Bon, mission là sur le mont, le ministre a convié tous les patrons d'entreprise, d'accord. Donc on identifie et on répertorie chaque patron avec chaque entreprise. Les patrons, copatrons, comptables, tout le panel. Hein. Donc vous faites un doc là avec tout ça, d'accord. C'est bien pris. Comme ça, faut savoir comment ça se passe aussi, situation. J'imagine que du coup, monsieur Cordias, Claude Cordias sera de la partie. Il est possible. Il y a quelques emplois. On a une affaire sur le feu là, monsieur le ministre. C'est ouais. Une histoire de faux papiers à la DC. Ouais, le patron traficote des faux papiers. Alors, en attendant plus de preuves, plus d'éléments, et on essaye de trouver un petit peu les lieux de stockage qu'il pourrait avoir. Essayer de faire un confinement quoi. Ça y est, on a le lieu de stockage. On l'a le lieu de stockage. On l'a placé en défense nationale. Cette enquête là. Salut à nous. Donc, ouais. Défense nationale, on passe C, Office supérieur et Sierra. Et moi-même. En même temps, c'est pas compliqué, Office supérieur. Hein. Ouais. Il y a que ce genre. Ouais, Xia. Et le colonel, donc. Voilà. Non, parce qu'il y a des fois, il y a des policiers qui, comment dire, font un peu leur bouche un peu trop... Trop près de l'armée. Ouais. C'est bien parler avec des civils, mais il faudrait savoir aussi des choses qui... Ils ont la bouche tellement près du nez qu'ils prennent des coton-tiges pour se nettoyer quand d'aller avec les dents. Bon, bah moi, j'ai l'heure du coup, il y a une heure, de poser des couilles sur la table. On est obligé d'assister à ça? Non, hein? Non, c'est moi, j'ai pas envie de voir vos couilles. Hein. Non, moi j'aimerais bien les voir. Ah non, pas moi. Allez. Ça va être drôle, les couilles du ministre. Sur une table? Ouais. On pourrait le faire chanter après. Imagine pas des Africa in game et c'est 15h class. Il n'y a pas moyen de te regarder vite fait. Ah bah ouais, dès que j'ai des AFK en fait.
Moi, de toute façon, mon côté, le GIA fait les patrouilles aériennes. Donc, ils se mettent à une bonne altitude et ils surveilleront les caméras thermiques. La surveillance est thermique. Donc, c'est pas mal. Eh ben, tu sais, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'ils se mettent à une bonne altitude, s'ils se mettent au-dessus de la C. Et puis nous prévenir qu'il n'est pas cerné et tu comme peux... ça on pourra avoir un motif pour tu peux l'emmander, c'est un ordre de mission que je peux donner au marchand. Ah ben, c'est dans l'émission des marchands maintenant. Quoi? Qu'est-ce qui est l'émission des marchands? C'est de la reconnaissance aérienne, surveillance aérienne. Donc on prévient la police quand on trouve quand il y a un danger ou autre sur cette heure de ligne. Mais on prévient la police. Ça permet aux amis. Seulement. Bah, donne-leur la mission. D'accord. Mais j'ai compris la com, il y aura un dragon qui va voler au-dessus de chaque escouade. Ah oui, ok, c'est les consignes que j'ai données, ok, ça marche. Pour info, tout à l'heure, Dédé, on a chopé un braqueur de banque, d'accord. Ah merde! On en a chopé un, je lui ai mis tarif, il a commencé à faire le malin, donc j'ai dû user de mes instruments de bricolage. Et du coup, bah, le mec il a avoué qu'il avait tué 5 flics, donc écoute. Putain, c'est possible. Attention, l'argent qui est. 500 000 avant, gros, 500 000 avant. Suis-nous, on va te. Mais je te vois pas, gros, mais je te vois pas, là. Mets-moi une lumière. Vas-y, il se passe quoi, messieurs, là? Tranquille, là, ou quoi, là, la baisse? Wesh. Wesh, gros. Wesh, bien, fort. Il y avait un bracelet. À côté des unités de DD, il y a un barrage avec des civils. Sans armes, avec des caméras, à voir ce que c'est. Il y a un bracelet dans le lot. Entrave à la circulation. Le bracelet, on le laisse tranquille ou quoi? Ouais, je sais pas. C'est le ministre. D'accord. On va voir. C'est qui le nom que t'as sur le bracelet? Théo. C'est pas un cadeau. C'est beau. Ah. Ça c'est du. Ah. Oh. Wow. Oh. Oh. Bon, je vois. Moi, je te dis tout de suite, je vends pas des bagnoles. Hein. Moi, je les casse. Oh, hein, mon arthrose. Oh, il m'a cassé les oreilles. Alors. Aïe, aïe, aïe. Cartez-vous de la voiture. Pour quelle raison? Écartez-vous de la voiture, sécurité du ministre. C'est un agir. Oh, en plus, on est sympa. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ouais, monsieur. Bon, bah, moi j'ai fait mon boulot de chauffeur. Hein. J'ai plus rien à faire. Je vois bien. T'as 1 million pour payer pour rouler le ministre. C'est génial. Salut. Non, ça va bien. Ouais, je trouve pas. Moi et toi? Bah, ça va tranquille. Hein? Bah, t'es génial. Ouais, c'est cool. La conversation est gigantesque ici. Bon, allez, je vais poser mes thunes. Conduire le ministre, c'est pas tous les jours qu'on conduit le ministre quand même. 1,5 million pour conduire le ministre. Ça se fait une belle somme. Ah, ça. Parfait, ils m'ont gardé ma place. Ou pas. Moi, je veux bien être chauffeur aussi. Putain, hein, ma casse. Ouais, moi aussi. Ah, moi je vais y aller, merci à vous, hein. Bonne soirée, merci. Je pense qu'en fait c'est des gens de l'entreprise armés comme ça. Ami tour. Ah, bon, allez, on va partir. Bon allez, vous m'appelez si le ministre a besoin, au revoir. Oh, mais il est con lui. T'es con ou quoi toi? Putain, ma bagnole.
tuer toute l'île. Par contre, le type avec la caméra, il monte pas. Ou s'il monte, il monte sans sa caméra. J'ai une petite question. De toute façon, il vient pas du tout. La caméra. Ouais. Oui. Ah, il vient pas du tout. La caméra. Non, on va me la voler. Non. Encore ? Poser la caméra dans la voiture. Ça va pas recommencer. Encore ? On va encore me la voler. Ouais. Encore, tiens, c'est lui le voleur là-bas. Ah, t'es le voleur là. Oh ! C'était lui là, regarde, je le reconnais. C'est lui. Ouais, on le reconnaît là, avec ses petites cagoules là. Ouais, le voleur. La petite cagoule là. Ah ouais, ça rappelle. Hein. Ne vous inquiétez pas, monsieur, tout ceci sera très bientôt réglé, ne vous inquiétez pas. Ouais. Pourquoi il a son arme dans le dos pour lui se faire. Il a le pistolet qui est dans le dos. L'aspect pratique n'est pas là. Ah, je vais mettre l'arme dans le véhicule. Le monsieur, il est tout nu là-bas. Là. Oh, il va falloir me trouver une salle où on peut faire tout ça là. Et je viens de recevoir la petite email, parfait. J'ai... Bon, vous et moi, hein, on se connaît, hein. En effet, on se connaît. Tu sais qu'on fait tout ça là. Oula, et la sécu civile, ils se font plaisir hein, de ces temps là. Ah, c'est trop petit. Wouah. Non, c'est un rafale là-bas. Il ah, j'ai entendu. Ah, bah là, il vient de. Code noir. Code noir. Oula. Ah, tu es là. Et, on se met où ça, ça fait bizarre comme bruit. Ah, ouais, c'est pas trop. Ah, mais ça, c'est trop exposé ça, non. Attendez, c'est préféré. Voilà, là, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. J'ai pas crié. On a fait du salon. De casquettes pour Nigeria, on a des tirs au niveau de l'aéroport. On va rester sur le gap. HFI, on se concentre sur la sécurité de la réunion. On laisse les autres s'en occuper. Messieurs, du coup, je vous laisse patienter le temps qu'on arrive. Vous avez des chaises et tout ça à la prison? Vous avez une grande salle de réunion? D'accord. Même monsieur PDG. Ah, pire, on a 15 minutes là. Ah mais non, parce qu'après, ça veut dire que les gens, il faudra les rediriger vers là. C'est pas que des pétards, c'est clair. Ouais mais non, mais si jamais il y a des retardataires. Il est où le feu d'artifice? Ah bah eh. Qui c'est monsieur Silvano? Et ils sont pas tous présents. Et bien monsieur Silvano? Attendez, je vais aller mettre des lunettes parce que... je me sens un peu tout nu là. Bonjour. Quelqu'un au sol. Bonjour. 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 Fort bien. J'aime bien vos lunettes. Bonjour. Ah, bien. Pense que... Qu'on fait qu'on les fiche. Pense que vous saignez. Oui, je reviens ici. Moi je m'en fous, c'est jusque là, on n'aura pas de chance. Du coup, devant la BA, on a le chef de la magie de Vulsoc. Pour le moment. On va mettre du sel. Un petit peu correctement mal parlé, on aimerait en discuter quoi. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre à interpeller avec une caméra. Un peu vulgaire, un peu pourri quoi. Legendary Collection, devant moi s'il vous plaît. Un peu vulgaire, ça fait plaisir. Magic Bubble Soap. Ouais, on est là. Très bien. On est désormais. LPO devant moi. Magie. Ah ouais, bien sûr. Il y a toujours la bubble shop Ouais, on a le petit gros PC, oui. Et pour la oil. La oil, c'est bon. Ah, faites gaffe, monsieur. On a un problème. Lequel? Quel problème? Il y a quasiment personne à part les gens de la bubble shop. DC sont blessés, FCO, oil sont pas là? Mec. On dirait pas. Contactez-moi les différentes entreprises, vous leur envoyez des messages, vous leur dites que de toute façon, ils ont 10-13 minutes pour se présenter à la BA. Oh là là, et l'arbre. Putain, ok. Qu'est-ce que tu m'occupes de contacter OIL et LCO, je m'occupe de Diamant de Compagnie et LC. Concrètement, juste une comme langue aux unités, on a de la sécu civile qui s'est fait prendre à partie au niveau de la... du terminal. Ah si, tu t'en occupes, mais tu t'occupes de LCO OIL, n'oublie pas. Parce que vous êtes convoqué en tant que VIC. De Jeff, faites-moi dégager immédiatement les caméras, je veux pas de caméras, pas de micro, rien du tout. De Nick, je m'en occupe. Tiens. De toute façon, l'extérieur, ça dérange pas, tant qu'ils sont à l'extérieur, ça dérange pas, c'est à l'intérieur qu'ils doivent pas rentrer. Affi, mais qui les pose dans les villes. Bah y'en a qui ont des avantages. Nous c'est le... Je suis le PDG du casino. De toute façon ils vont tous passer au détecteur de métaux pour éviter de... qu'ils aient quoi que ce soit sur eux. Détecteur de métaux. On a encore 10 minutes. Bonjour.
King. Bah, mon pacemaker en général. Spark. Bon, pacemaker. Oui, tout à fait. Respect général. Moi, j'ai parlé de moi, assistant, vous avez bien d'ailleurs, j'ai un revenu investisseur à vous. Par contre, il va venir, il va falloir nous une grande salle parce qu'ils ont minimum 3-4 par deux. J'ai pris ma plume. Respect général. Je vous donne ça tout de suite. Ok. Bonjour. Si on va se régler. Assistant, vous avez du geste, là, je suis décoiffé du coup. C'est normal ça. Par contre, celui qui est en train de me faire du. Ah ouais, t'as connu général. Ah ouais, carrément. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu fais? La voix de monsieur Jaget par là-bas. De toi? Quoi? Tu veux les vitres? La porte? Bah, j'écoutais en fait. Ouais. LZO, oh, il contactait. Le. C'est le conseil de l'entreprise. On a un bracelet électronique devant la porte. Ils ont décidé de vous éliminer. Voilà. Et voilà. Voir avec le ministre. Bien sûr, c'est dans le sens. En général, je vous accompagne du coup, hein, y'a rien à faire. C'est vrai. Quelqu'un peut demander au ministre Théo Marxson ou Marxman. Allons voir, ça va. Je préfère prendre la pluie. Vous plaira. Hein? Faites quoi? Sauf si tu me proposes quelque chose en échange. Vous êtes à disposition pour discuter. Merci. Vous embarquez Théo Baxman hors du ministre. Bon allez, messieurs les marshals. Sur le toit, il va tomber. Attention. Donc là, oui, on peut se parler après, il n'y a pas de soucis. Bon. Monsieur Baxman. Ok. Vous êtes recherché. Souci alors. Vous savez. Ah, mais c'est bien. Bah, mettez-vous face au véhicule. Oh merde. Un putain de cul dans le véhicule. Pour casquette. Alors, c'est vous quand même. Est-ce que t'as contacté les entreprises? Affirmé, c'est bien. J'ai noté, je peux marcher. Vous connaissez pour quel motif? Pour aller acheter la chaîne. Oui, pour meurtre. Voilà. Oh là là. Ok, individu interpellé, c'est relivré. Je le ramène au marshal. Ça va, ça va. Je peux marcher ou pas parce que... Non, non, vous marchez pas. Et vous voulez essayer de faire un saut en hélico aux différentes entreprises ou pas? Non, c'est pas que ça. Mec, mec, je suis en train de mourir là. Tant pis pour elle. Oh, pardon. Fuis. Allez, marche. Marche, ce n'est pas Jésus. Ouais, non, je la connais. Non, non, c'est sûr. Moi, je peux pas rentrer. Ok. Salut. Dieu ne voulait pas que je rentre par là-bas. Viens, on va là-bas. Tenez les marshals, cadeau. Monsieur Baxman interpellé pour bien. Je recherche. C'est livré, oui, bah, il est livré. Il est recherché. Je sais pas si on a le temps parce que là, on a que tu vas faire. Bon, bon. Bah, c'est le ministre qui m'a dit d'interpeller. Ah bah. Mon dieu. Non, la vraie, vous avez prononcé la moitié. Pour lui, je reviens. Ça reste entre nous. Comment ça va? Vous mettez votre masque parce que vous êtes moche. Donc, mon code. Ah, mais vous mettez votre masque parce que vous êtes moche. Mon code. T'as vu? Ah, c'est normal alors. Ah, c'est normal, les bonnes odeurs. Bordel là. Ouais, tu vois, c'est des marshals. Ah voilà, ouais, c'est bon. Un petit chapeau là-dedans. Ça, je m'en fous. Ah ben ouais, vous allez faire des savrons pousse-mousse. Oh, c'est bon. C'est bon. Waouh. Ça pousse à mousse. Il y a un turban devant la BA là, avec un turban et une tenue un petit peu type chez Mag. Tu me le contrôles et tu lui demandes ce qu'il veut en fait. Mais est-ce qu'il vient représenter une entreprise ou pas? S'il représente rien, il dégage. Oula. En général, je peux vous emprunter votre Bugatti. Et ça ne m'en veut. Merci. En général, je peux vous emprunter la Bugatti pendant que vous êtes à la réunion. Vous êtes jaloux. Ouais, maintenant vous êtes pas très bien là. Ah, il parle chinois. Voilà.
quoi faire. Elle est très bien là où elle est, ma moustache, elle me motive à travailler. Voilà. La réponse éventuelle des entreprises. Neg. Est-ce que monsieur Robert est là? Oui, il y en a deux. Nous sommes venus en fait. C'est Tywin Robert. Pas peur toi. C'est lui. Ah non. Normalement il y a la LCO. Juste, vous faites attention, vous avez un véhicule de grande valeur, il est très très mal garé, ce serait assez dommage de vous le faire voler quand même. Un rebelle fait des menaces. C'est fait, attention. Tu mets des barrières là. Police d'Alti. Prends quelqu'un avec toi. Ah d'accord, très bien. Hop. Ou, là devant, et tu me fais un sas de sécurité. Avant que tu parles. Casquette avec moi. C'est à moi que tu parles. T'inquiète, viens me voir deux petites secondes. Ouais. C'est à moi que tu parles. Ouais, j'ai rien dit, monsieur. Hein. Personne n'a parlé. Ah, c'est le quoi? Ah, allô? Je crois que c'est des journalistes qui vous appellent là-bas. Il y avait une autorisation pour. Je sais pas quoi. Bon, vous recevez là, c'est un peu le bordel, les gars. Vous invitez uniquement le chef d'entreprise et son adjoint à la règle. Tout le reste, ça dégage. Ensuite, je vais des traceurs GPS sur tous les véhicules des patrons. Ça va, le savon, est-ce qu'il avance le produit? C'est reçu. C'est reçu de Nick. On va s'en occuper, on fait le sas de sécurité, puis on se met. On fait ça avec des barrières, du coup. Ah, Jeff, j'ai une unité, prenez en compte quand vous dites adjoint, on a besoin du directeur des finances, du directeur aussi de la sécurité, si on... Pas de savon, c'est de la réunion, ça. Pas de savon. Directeur de la sécurité, s'il veut, enfin, il doit venir. Non, un rappel sur la sécurité sera effectué. Faites une zone pour fouiller les participants à la réunion avant qu'ils rentrent dans la BA. Pas de caméra, pas d'armes. Deux par heure. Du coup, casquette, on va les fouiller là. Donc tu fais les barrières comme ça, toi, elle part d'ici, et elle part comme ça. Le volant, ça avec pas ta bagnole. Ah bah ouais, yeah. Aïe aïe aïe. Ah, ouais. Aïe. Ah. Tu m'as mis un coup de barrière, Gira. Jeff, pour l'ensemble, toute personne refusant à se soumettre à un contrôle sera mise en cellule sous l'ordre du ministre. Aïe. Aïe. Non, tourne encore, je t'ai dit. Salut! Salut Anto! Tourne! Voilà! Ah, vas-y, vers le mur. Le PDG de la liste. Pardon! Je peux rentrer, hein? Avance. Ah! Attends, mais j'étais. Voyez-vous, je vais me mettre comme à l'aise. Avance! Messieurs de la police. Tourne encore un peu. À droite ou gauche? Monsieur de la police. Tourne sur ta gauche. Mais il y aurait des gens armés a priori à la douane sud. Affirmatif, bon, laisse contacter nos unités de police compétentes dans ce cas-là. Nous sommes actuellement occupés. Arnie, je laisse répondre. Ouais, d'accord. Pas long, j'imagine que vous le voyez. Bonsoir tout le monde, salut Teko, comment ça va? Ça a l'air très compliqué. Bienvenue à toi. Policier insinue qu'il est incompétent. Négatif, je peux avoir une derrière là. Salut magicien. Bon, j'étais dans le jeu là parce que c'est un peu le bordel. Salut à tous. Pourquoi tu mets ça à chaque fois? Ah oui, c'est ça, une dernière fois. En effet, pour ses propos. En fait, regardez. Jusqu'à mon égard, juste les entrepôts. Les gens doivent passer comme ça. Eh, frangin. Je te recontacte comme ça. Comment vous allez, les gars? Ils sont hébergés par là. Ici, ils sont fouillés et ils repartent pour pouvoir rentrer. Ok, c'est bon, t'as compris? Il est temps. Aïe, mais doucement. Comprends pourquoi tu es pas majeur? Ah, je t'ai mis un peu, si tu pouvais grouiller. Ouais, deux minutes. Ah, vous savez, quand on parle de barrière, tout devient compliqué. Là, je suis blessé. Monsieur, vous y avez touché, arrêtez! Pour les meilleurs, c'était. La dernière barrière que j'ai touché, elle m'a quand même tapé dans le pas du mal. Ah, bah oui. C'est vous qui faites des excès de vitesse à 350 km/h si je me trompe pas. Exactement. Enchanté. Ah, bah. Et bonjour. Pire.
Aïe, mes oreilles. Ah, waouh. Wow. Qu'il est là. Génial. C'est sûr. Les collez pas trop. Ouais, on va discuter avec monde. Les colle trop, elle tombe. Bon, on peut attendre. C'est pas drôle. C'est pas drôle. On va regarder pour rentrer. Ah non, négatif pour l'instant, monsieur. On ne rentre pas, le dispositif n'est pas encore prêt. Quant aux caméras et microphones, messieurs, je vous demandais bien vouloir poser ça dans vos véhicules. Tiens, bonjour monsieur Tuch, vous allez bien? Bien monsieur Noël, et vous? Ah, ça va. Ferme. Bah après ça, je ne vois pas de problème. Tant que vos caméras ne tournent pas et n'écoutent pas les conversations, ça me va très bien. Et en quoi c'est interdit du coup? Pourquoi c'est interdit? Pas dans le cadre. C'est une réunion qui convie PDG et directeur de chaque entreprise. Putain, et que c'est une réunion. Tu regardes, on a cassé la tête tout à l'heure alors que les personnes concernées. Il y a un monsieur. Affirmatif, monsieur. Monsieur, je suis la personne. D'accord, mec. Négatif, pas pour l'instant. Ouais. Ce sont des gens des finances. C'est autorisé à rentrer ou quoi? Affirmatif, il est concerné. Je suis avec monsieur Gaëtan. Bien, super. Donc, directeur des finances et directeur de la sécurité si possible. Ah, le directeur de la sécurité n'est pas là, mais en tant que PDG. Il a voulu. Les représentants de la demande compagnie. Cool, là, c'est bon? On ne sait pas de quoi on parle, monsieur. Je vous invite à ne rien dire. Je n'insinue rien, je n'insinue simplement que ces messieurs travaillent pour les entreprises qui sont pour l'État. Voilà, rien de plus. C'est tout ce que vous saurez. Darrel, on t'entend de loin. Ouais, ministre. Darrel. Il a tellement de sucre à évacuer. Ah, c'est tu super... sens la force. Mais on rigole tous là-bas de l'autre côté de la barrière en fait. Et vous connaissez? Même nous là-bas derrière la barrière, on rigole de ta blague. Oh merde. Combien de temps du coup là? T'attends encore? Ah mais tu parles la dernière si fois ils étaient deux par entreprise voire trois pour certains avec leur directeur finance et, directeur des là on va faire ça c'est beau ça c'est parler en voix faible parler en voix faible parler en voix faible à 16 ouais, monsieur Delicio là à l'accueil ouais oui mais si on part en fait il y a un monsieur Delicio à l'accueil. Bah oui bah c'est moi ils sont arrivés ouais oui le ministre après on peut. Non, messieurs, je vous demandais de ne pas rentrer dans la zone de sécurité, s'il vous plaît. Après, on peut bloquer. Oui, donc, c'est plus des gens qui dorment. Ah, vous êtes PDG, ça marche. Des camions, c'est bien, et on bloque. Bah, bien, non, vous allez, s'il vous plaît, attendre avec. Ouais, bah après, employé là-bas. Vas-y, si tu veux. Si tu veux, fais, si tu peux faire. Et si on tu peux faire ça pour les amis. Follower. Est-ce que vous pouvez demander au ministre, si possible, est-ce que les investisseurs des entreprises sont autorisés à assister à cette réunion? Non, pas les investisseurs, que les patrons. Ah, parce que moi j'avais un écho Salut Roman, merci de ton follow, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux me préparer une com longue pour dire à toutes les unités que jusqu'à la fin de la réunion, toute entrée de la PA se fera par l'arrière. Jusqu'à la fin de la réunion. Sûr quand même de ça, quoi. Quand ça se fait par l'arrière. Et qu'il va falloir aussi. J'ai pas compris. Je disais, moi j'ai eu un écho du coup d'une personne de Logirno qui me disait que c'était possible pour les investisseurs, mais qu'il faudrait demander au ministre. D'accord. Monsieur le ministre! Il y a un monsieur qui roule trop vite qui voudrait rentrer. Non? D'accord. Non mais pas de problème, si c'est juste pour ça. Ok. Mais moi ils m'ont dit oui là tout à l'heure. C'est ça, c'est bon. Il a dit qu'ils lui ont dit oui tout à l'heure. Et ils sont en bas. Ouais. Donc on dit quoi? Oui ou non? Oui. Peut-être. Ah, Anthony Spark, il a plus de permis de conduire, je pense. Ensuite les autres. Si je l'avais fait la dernière fois. Ah, il a récupéré. Il a récupéré. Tu me mets un camion le. Ah, je serais pas pour moi. Il a quand même essayé de draguer votre femme. Ah, votre cul, hein. Voilà, d'accord, je lui dis. Merci, monsieur le ministre. Non, tu vas pas. Ah.
Dans ce cas-là, c'était également Susanna. Si non, 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 hey, moi je veux l'entendre de ça pour moi. Bah, il m'a dit, tu lui dis, il vient pas. Susanna, oui, c'est ah ouais, mais bon, c'est embêtant parce que moi, ils m'ont dit que je pouvais tout à l'heure. Attends, je m'assois parce que tu m'ennuies. Bah, attendez, je m'assois avec vous. Putain, je vais voir ça, il est occupé, je vois ça. Ok, ok. Alors, messieurs, qu'est-ce que ça, t'as vu? Messieurs, il était vraiment en plus, hein, il était vraiment là. D'accord. S'il vous plaît, à toute personne possédant un véhicule sur ce parking et votre véhicule ici, je vous demanderai de bien vouloir les garer de ce côté-là, là-bas, s'il vous plaît. C'est du Porsche qui est là-bas, pour des raisons de sécurité, s'il vous plaît. Merci de votre coopération, messieurs. Là aussi là-bas aussi. Tous les véhicules, exactement, tous les véhicules vous sont conviés à se garer là-bas. Ça fait quand même une sacrée battue. Et on fait quoi avec l'hélico là? Je peux la déplacer ta voiture? Bah négatif, c'est pas un héliport, non, mais les véhicules sont là, on a pas besoin de les déplacer. Si, il faut les mettre au Porsche là-bas. Si. Allez, déplacez vos véhicules. Tous les véhicules qui sont là, vous êtes bougés là-bas. Enlevez-vous, sinon je vais vous écraser. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Mais on s'en fout, c'est un caméraman. La société qui fabrique tout ça vous foule sur des caméramans pour éliminer les preuves. C'est enregistré. Allez, c'est fait. Merci. Allez hop, merci beaucoup. Allez, messieurs, s'il vous plaît. Ah, André. Médecin. Parfait, j'ai un coma. Ah. Monsieur de la santé. Ils vont ensemble. Voilà, oui, d'accord. Je veux pécho avec ces voitures. Ça va être de ouf. Hein? De ouf, hein. Ouais, voilà, putain. J'avais même pas eu le temps de l'essayer, l'autre fois. Putain, en plus, tu conduis avec une main. Ah bah ouais, à la base, hein. Oh la vache. Vous inquiétez pas, bah regardez, vous voyez le monsieur là, de la sécurité civile qui est là-bas, là, il me semble. C'est le PDG de la. Non, il est derrière moi. Bonjour. Alors, moi je suis patron de l'entreprise de banditisme. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Bien évidemment, comme toujours. Entreprise de savon. Entreprise de savon, ça glisse. C'est bien qu'on fait. C'est qui a sorti ça? Tu prends une pièce d'identité, c'est nous. Bah, je vais vous donner. Le voleur de caméra. Ah, oh, bah non, pardon. Je suis en aucun cas un voleur de caméra. Entreprise de savon. Ce véhicule aussi, là, qui appartient ce véhicule? La vache mou. C'est ça, c'est vraiment. La vache mou. Ah. Je sais pas, je vais voir dans le registre. Monsieur, écartez-vous pour le camion, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il fait quoi? Il va se placer devant la vitrine. Pas derrière moi, mais pas derrière moi. Ah, salut. Ouais, non, négatif, justement, il doit se mettre devant le. Tu fais quoi, toi? Il y a des véhicules, ils sont dangereux, vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est toi qui es le plus dangereux, en fait. Ok. T'enregistres? Quoi, vous êtes en. T'enregistres? Ouais, mais non, c'est pas dans l'enregistrement. Je suis pas expert en sécurité, mais il peut contourner le camion. Y'a qui est convié? Les entreprises qui travaillent. Et les investisseurs? Alors, les investisseurs ne sont pas conviés. Bah, je vais ici. Parce que c'est le directeur général et comptable. Voilà, on est bien d'accord. Respect Park, il est dans le coin, il me semble. Ah oui, la route. Il est dans le coin. Oui. Non, il est où? Montrez-le-moi, s'il vous plaît. Pas compris le but de mettre un camion devant l'arbre. C'est le PDG de la. C'est pas. Je sais pas comment. C'est quoi? Possiblement quelque part là-bas. Là. Possiblement le monsieur qui est en train de porter un autre individu là-bas. Qui passe. Ah, il est en train de le kidnapper. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est pas. Paysagiste est mort. Il est mort. Très bien. Oui. Bon, il y en est où? Il y a un blessé qui arrive là derrière. Vous voulez parler de quoi? Bon, on en fait quoi, G? On. Alors, on fait du quoi là? Hop.
comme avant, y a pas de soucis. Star, c'est bon. C'était pour que vous ne vous inquiétez pas. C'est rare, voilà. Vous travailliez avant au casino, c'est ça? Bon, de dire pour l'ensemble, c'est ça, c'est vous commencez à triper les personnels un à un, vous demandez carte d'identité et vous faites une analyse. Ça fonctionne très bien, c'est juste pour une nouvelle image, voilà, que je suis là. Il faut du savon. C'est ça, c'est moi. Non, non, pas la juge, mais les responsables de la sécu. Affirmatif, moi ça serait possible d'avoir un médecin qu'on va oublier. Les PDG et les responsables des finances et responsables de la sécurité. Ouais, mais il y a un peu de monde au mètre carré là. Très bien, messieurs, un peu de silence s'il vous plaît. Monsieur Spark est pas bien. Un peu de silence. Donc, je vais appeler Anna, les PDG, responsables financiers. Il est vraiment pas bien. Bah non, il s'est fait rouler dessus, malheureusement. Responsable chimiste aussi. Il y a une petite commotion. Non, non, pas de responsable chimiste. C'est quand même aucun pouls. Je crois qu'il est mort, votre ami. Vous savez ce qu'il faut que je lui fasse ou pas? Alors. Non. Donc, je vais par la Diamante ouais, Compagnie. Ah, je vais les appeler. Oui. Ah, appeler parce que là, il va vraiment mourir. Hein. Quel dommage. Attendez, je lui mets de la morphine à plusieurs doses. Comme directeur c'est ah non, pas plusieurs doses. Non, non, non. Bah si, bah, ça fait la sixième, le cumé. C'est la mienne. Responsable de chimie de la bubble. Vous ça me paraît un peu beaucoup. Rentre. Non, pas pour lui. Il roule vite. Il aime l'adrénaline. Écoutez, monsieur l'agent, je pense que là, en revanche... Je suis pas agent, je suis protection du ministre. Et directeur financier, si vous l'assumez tous les deux, je veux dire ça. Je suis la sécurité du ministère. Ah, vous êtes un agent de sécurité, du coup. Je peux pas le faire. Bah, c'est ça. Ah, du coup, monsieur l'agent, c'est bon, je suis pas un médecin de combat, mais. Donc, je vais remettre vos papiers, l'ami. Oh, bah, écoutez, bien sûr. Je vais lui mettre une 7ème. Ah, non, arrêtez. Je vais demander votre droit. 8ème. Il en a 8. Il en a 8, hein. Pour gérer une quinzaine de personnes qui sont en train de se faire. D'accord. Ah là, bah oui, mais ils savent pas, ils se coordonnent pas. Ils... Alors, le monsieur en rouge, je lui ai injecté 8 piqûres de morphine. Hein. Ouais, faites attention. C'est passé quoi? Acteur général, c'est ça? Directeur général de la compagnie? Je lui ai demandé d'aller là-bas. C'est que je ne pas santé là-bas. Il y a un autre blessé, soit monsieur, là-bas. Excuse-moi. Il y a un autre blessé, là-bas. On va rentrer. Quelqu'un peut le fouiller, là, s'il vous plaît? Mettez-vous contre le mur. Si tu vérifies identité. Les mains derrière la tête et face au mur. Monsieur Josh Edward, directeur général. C'est bon, vous pouvez y aller. Ah, tu vas pas être riche. Hein. Je vais demander maintenant les représentants de la cité d'or. Sécurité. Attends, moi je suis comptable. Que j'attends que mon PDG soigne quelqu'un qui arrive. De qui? Ok, donc je vais vous demander de vous mettre en lien. Ils veulent pas. Ok, très bien, monsieur Zoko. Désolé. C'est bon, patientez ici. Je termine avec votre collègue. Black Light, combinaison de chantier. Gilet. Lancement. La com, je vais faire analyse biométrique. Excusez-moi, normalement, ils laisseront passer en tant que chimiste. Ouais, bah je me changerai après. Hein. Passe un peu. Très bien. Hop, s'il vous plaît. Parfait, vous pouvez y aller. Je peux demander de partir. Par là-bas, vous allez être fouillé. On rentre à l'intérieur, monsieur ? Ouais, allez-y. En effet, vous pouvez aller à la salle de réunion. Au suivant. Parfait, merci, monsieur. Je vais être attrapé. Bonjour, la BM. Bon, on va attendre. Ça fera. Bonjour. Un peu touché. Ah non, attention. Hein. Alors, on va rentrer en équipe, il n'y a pas cette place. Donc, je vais mettre les mains. On est 4. Alors, je vais vous présenter. Je vais vous présenter donc la somme. Hein? D'accord. Pour pouvoir accéder à la soirée. Donc, on va c'est vrai ça? Responsable. Bah oui, il faut payer, monsieur. Avec moi, le reste. Il est sur le compte du ministre. Non, c'est une blague. Ne payez pas. Non, il ne faut pas payer. Allez, retournez. Putain, mais il a mis 200. Comment c'est lui, mais c'est vraiment payé. Non, j'ai pas payé. Ça, c'est quoi? T'es le magique ou quoi? C'est ma tenue d'alentrée. Vous posez nos armes dans les véhicules? On arrive alors. Tout à flex. Ah ouais? Et ça fait ça, l'agent de sécurité. Non, mais là vous n'allez pas les prendre avec vous. Ouais, j'ai oublié de tout enlever, j'ai mis dans mon sac, mais. Ah, techniquement, si, donc. On peut l'argent, qu'on peut les garder à n'importe quel moment. Non, les jumelles, ah, les jumelles, vous pouvez. Moi, on m'a pas dit que. Ok, je garde vos objets, vous me les demandez plus tard.
C'est bon, allez-y. Et la prochaine fois, il y a de l'argent sur vous, puis je puisse le prendre. Un peu chauffouillé aussi. Au suivant. Non, mais vous, on vous connaît. Vous avez de l'argent sur vous, pas? Il est vip, d'ailleurs. Ouais, c'est... J'aurais bien voulu vous voir. J'aurais bien voulu... Il y a encore un contrôle. Alors, c'est bonjour. Alors, ils ont pas d'argent. Ils veulent pas payer les 200 000 d'entrée. Les bobies, c'est bon. Ah, c'est le ministre qui invite, hein, c'est marqué sur le gouvernement. Ah ouais. Pas marqué entrée payante. Hein. Très bien. Je vais vous demander putain, votre doigt. Oui. Je vais procéder à une fouille biométrique. Ah, tu fais un bûcher là. Bonjour. Mais bon, ouais, mais il nous aurait fallu plus de temps, plus de place pour un buffet, etc. Bonjour, messieurs. Ah non, le directeur général il est là, moi je suis expert comptable. T'es expert comptable? Ah, c'est là? C'est le chimiste, c'est le comptable. Je suis comptable. Et il fait la com aussi. Je suis responsable com. Par là-bas. Une petite école d'identité, s'il vous plaît. Allez, par là-bas. Voilà. Monsieur Cazard, la grosse roquette dans la vie. Contre le mur, monsieur Cazard. Responsable sécurité, c'est le chien. Ouais, exactement. Allez, tout le monde contre le mur. Allez, les mains sur les têtes. Je vais vous demander votre doigt. Je vous fais une analyse biométrique. On croirait qu'on est des criminels. Ça sent bon la vanille. Il y en a qui ont utilisé le savon. Il y a du pousse-mousse ici. Le pousse-mousse chaton. J'avais jamais vu quand sur ta blouse tu mettais une belle chemise. Bien avec sûr. Avec un petit pull et tout. Moi je vais me préparer de l'eau parce que je suis un chimiste dans les règles de l'art. Ah oui, fais-moi. Moi j'ai rien. Va là-bas, je vais fouiller. Ah ouais, bah oui. Okay. Vas-y, bouger. Hein. J'utilise dans ma machine pour le pur que blanc du Vanish Gold. Okay. Du blanc que blanc. Parfait. Mets-moi sur la tête, monsieur. Bon, on m'a dit c'est bon. Ah, c'est bon, parfait. Okay, t'as rouge, on va enlever les bêtes tous en même temps, comme ça il n'y aura pas de c'est bon, c'est pas bon. Exactement. Go. Alors là. Ok, c'est bon. J'ai pas fini moi. Il a pas fini, qu'est-ce que vous faites, Bonnie? Monsieur Lansky, j'ai pas fini. Monsieur Lansky, j'ai pas fini avec vous. C'est bon? Attendez, si, c'est bon. Allez-y. Parfait. C'est parti, c'est où en fait qu'on va? Attends, on va encore fouiller dans l'accueil, on sait jamais. Ouais, attention, la fouille accueil. Bonjour, bienvenue à l'accueil, contre le mur s'il vous plaît. Fouille accueil, les gars, allez contre le mur. Ça où? Et la réunion est au troisième étage, donc il y a trois fois. Hop. Tu fais quoi toi? Bon. Rolf Kovenko, PDG de la rue là. Vous avez été fouillé, monsieur Kovenko? Oui. Monsieur, j'entends rien, qui est bien, ça arrive. Vous avez été fouillé, monsieur? Excusez-moi, monsieur. Vous avez été fouillé, oui. Aurait-il la possibilité que vous retiriez votre masque, s'il vous plaît? Oui. Je sais que ça. Potentiellement, je sais que vous avez l'habitude de vos entrepôts et de vos biochimistes, mais ici, vous inquiétez pas. Ça ne sent. Vous pouvez y aller. Savon, ils mettent un... Bonjour. Je vais demander les représentants du casino. T'as une masse sur la tête? Oui, mais regardez pas. Le casino, du coup? S'il vous plaît, votre carte. Ah bon, Monsieur. Pour ce que... Ok, merci. Ma bonne carte. Ceux qui sont passés les cartes peuvent rentrer dans la salle. Est-ce qu'il y en a un qui me met tous les noms sur la liste? Vous avez confiance. J'espère que vous avez apporté une petite dose. Bonjour, rentrez. Bonjour, messieurs de la rue. Merci à tous de chuchoter, s'il vous plaît. Ok, je vais vous demander votre doigt. Monsieur Spark. Spark. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez chuchoter, s'il vous plaît? Allez-y. De quoi? Vous pouvez chuchoter, s'il vous plaît? Je disais, vous avez une réponse de monsieur le ministre ou pas? Ouais, il veut pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est bon, vous pouvez entrer. Non, il veut pas. Non, mais moi, il m'avait dit que oui. Oh, star. Ouais, mais il veut pas. Comment je me fais arnaque? Bah, ouais, carrément. Par contre, ça, c'est normal, ça? Les tasers et tout ça, là? T'es de ma gueule? Comment? C'est quoi ces tasers là? Monsieur Noël là? Je sais pas, c'est des gens qui ont tout foutu par terre au lieu de mettre dans leur voiture. Qui ça? Alors là, aucune idée. Même un tasers, on va le garder. Mais c'est pour
Ah, merci. Je vais le prendre. Vous allez vous faire fouiller. Dommage, c'est pas évident. Dommage. Comment ça ? Monsieur Noël, vous avez des tasers sur vous ? Ah non, vous pouvez vérifier. Ouais, ouais, bah je vais vérifier, toi. Responsable d'équipe et avocate. C'est possible de rentrer. Négatif. Bon, on m'a dit on range, j'ai rangé. Négatif. Merci beaucoup. Ah ouais. C'est problématique à vrai dire. Oh la salle. Ouais. Ouais. Il a vraiment dit non, Mini ? Bah oui, il a vraiment dit non. Moi, il a dit non. Moi, il a dit non. Donnez-lui mon nom parce que. Bah, j'ai dit le nom en Enrique Spuk. Il a dit, je connais pas, il veut. Non, arrêtez. Monsieur de la LC. J'en ai assez. Non, il veut pas, il pas d'investisseur. Il m'a dit oui tout à l'heure. Moi, il m'a dit non. Le gars, vous pouvez pas lui demander de venir en vie en 2-2. Il peut pas, il peut pas. Il a un problème avec sa vessie. En rapide. Non, non, bah, crie. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Il y a l'investisseur qui veut absolument venir. Je lui dis non, mais il veut venir. Bah, voilà. Voilà. Ah, mais star. C'est un fake, c'est un vidéo. Non, c'est une blague. Vous pouvez rentrer. Non, j'ai une conne. Il reste encore du monde ou quoi ? Non, c'est une blague. Bonjour à tous. Là, c'est le dernier, là. Monsieur Bernie Noël. Vous avez investi beaucoup d'argent ? La dernière. 150 millions. Ah ouais, vous êtes fait avoir. Non, non, parce que en fin de compte, là, je dépense rien pour l'instant. Et je suis monté à 131. Donc, vous reprenez ah ouais. Quel rôle vous participez à la Legendary Collection ? Ah ouais, carrément. Donc vous êtes fait avoir. Ah, on fouille ! Monsieur Tazar. Vous avez Ouais. Ah bah non, il est là. Monsieur Noël, faut pas abuser, là. Attendez, je vérifie. Monsieur Noël, c'est quoi ce taser sur vous là ? Ah non, je vous assure, à 100% il est pas sur moi. Bah si, si, il est sur vous là. Ah bah si, hein. Ah ça va. Ouais, mais vous faites quoi avec un taser, monsieur Noël là ? Égal en DD. Donc c'est vous qui distribuez. Ah bon, ouais. C'est pour ça que vous l'aviez devant la BA là ? Vous avez posé la question, vous m'avez dit non, c'est pas moi qui en ai. C'est sur moi votre taser. Ouais, ouais. Baisser la télévité maintenant. C'est ma gueule toi ou quoi ? Je dirige la télévité. Fais gaffe à ce que personne ne rentre. Je ne peux pas rentrer dans le bâtiment, peut-être que je peux passer au moins derrière la barrière, tout le temps c'est réussi. Tu veux que je te dise un petit secret ? Ouais. Je viens de me faire 150 000. Ah ouais ? Oh là. Monsieur, ouais, et moi pour rentrer, je suis bien maintenant. Qu'est-ce qu'il y a quand ? Pour rentrer, je suis impeccable maintenant. Très bien. Excusez-moi. Spark, vous voulez. Je mange le savon. Mais pas qu'on s'énerve quand même. Non, mais je suis Anthony Spark. Ah, ouais. Ouais. Alors, vous avez l'autorisation gouvernementale d'entrée. Oh, nickel. Oh non, pas lui. Ah oui. Eh ben si, c'est un administrateur du gouvernement. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, mais il a plus de permis de conduire, monsieur. Allez, vous pouvez rentrer, monsieur. Oh les gars, faites le mur, s'il vous plaît. Ils sont beaux, hein, les gars. Monsieur, madame James. Venez, monsieur de la sécurité. Ouais, une femme. Un peu de tenue, c'est cordial. C'est calme, cette fille, j'aime bien. J'espère qu'il y a pas encore 10 000 personnes. Les gars. Qu'est-ce qui se passe ? Silence. T'as dit quoi, Nick ? Qui reste dehors là ? Parce qu'elle n'est ni directrice financière ni directrice sécurité. Quand même, elle est. Ah, les directeurs généraux, c'est pas, il y a pas de directeur financier chez nous. Et Paulette, tu veux rentrer dans la réunion ou quoi ? Bah ouais. Bah ouais, mais tu peux pas. Bah ouais, mais je sais pas, je suis avocate de la Diamond et responsable d'équipe, j'attends du coup ici. Oui, il y a des mecs là-bas qui veulent une avocate. Ah bah ouais, mais là j'ai déjà mon client et voilà, du coup j'aimerais bien savoir ce qui se passe. T'as proposé Comment ? Tu connais bien Zoko alors ? Mhm. Allez, je vais aller chercher. Ouais, c'est bon, ça va. Ouais, je connais bien, oui. C'est vous qui allez vous marier, non ? Non, non. C'est pas vous qui allez vous marier bientôt ? Avec Zoko, non ? Non, pas avec Zoko. C'est vous qui allez vous marier bientôt. Oui, c'est moi, je vais me marier bientôt. Ouais. Allez, une barrière là, ok, il peut se faire. Ça marche. Donc. Je suis triste, moi je lui ai assisté. Au revoir. Je te laisse passer le document. Au revoir. Allez, vous me bloquez tout. Vous m'écartez tous les civils à l'extérieur. Mon adjoint de la. Et dites au ministre de parler moins fort. Donc. Je vous laisse tendre votre main pour récupérer le document. Sans mauvais ça. Attends.
Ok messieurs, je vais vous demander de traverser la route s'il vous plaît, de vous mettre de l'autre côté. Les abords de la brigade aérienne sont interdits pendant la réunion. Merci. Messieurs, s'il vous plaît. Faut passer. Merci beaucoup. Messieurs. Monsieur. C'est pas bon ici. Oui, excusez-moi. Ouais. Les abords de la brigade sont interdits pendant la réunion. Merci de traverser de l'autre côté. D'accord, excusez-moi. Non, y'a pas de soucis. C'est pas bon ici. On a rien. On a rien. Oh bah, Jimmy, ça lui a glissé entre les mains le papier. Bonjour, vous avez pas quelque chose à manger, je vais mourir de faim. T'es bien toi. T'es quoi? Mourir de faim. Et de soif. Oh merde. Oui. Il y a des pexos dans les poussons là, circuler. Ah, mais j'ai faim. Allô. Merci, non, je vous aime. T'inquiète pas, je vais me changer. Donc, messieurs, un peu de silence s'il vous plaît. Avant le début de cette réunion, je vais d'abord vous demander. Oui, on va commencer. Je vais vous demander tout d'abord un minimum de sérieux. Donc, j'attends de vous que vous leviez la main avant de parler. Histoire qu'on parle pas tous en même temps. On est d'accord? Comme ça, ça ira bien. Et donc, levez la main. Le truc. Ok les gars, vous penserez à mettre des... Allo, vous vous recevez? Mettez-moi des putains de traceurs sous tous les véhicules. Général, quel buisson? Je pense pas. Tout. Les grosses fougères côté du village Metz là. Côté nord-est. Paragon 3, tu nous reçois? Alors. Ils sont posés. Bon, on va pouvoir commencer. Donc tout le monde a reçu le document? Oui. Ouais. Bon, mais je vais faire déjà un résumé ordre du gouverneur. Je viens d'avoir les pleins pouvoirs par rapport à certaines choses. Donc, je vous laisse lire le document. Et si vous avez des questions, vous les posez. Ça roule. Je vous laisse tout le monde regarder quelques minutes. Et après, vous pouvez. Comment? Pas moi qui se lève, mais. Monsieur Paro. Oui, c'est ça. Vas-y. J'aurais une question. Sachant que par exemple, cette semaine, on a fait. Je vais vous donner des chiffres. Hein, je vous pourrez où on en est. Je peux vous les donner directement. On a eu exactement pour. Voilà, 16 millions de pertes dues au braquage. Est-ce que c'est possible de déduire ça de la taxe? On aura ici avec mon conseiller juridique et économique de l'État, qui a reçu le sceau du gouverneur. Je lui laisse la réponse. Alors, à ce niveau-là, négatif, c'est si vous partez en convoi alors que la police n'est pas en mesure de vous protéger. Malheureusement, je vois pas en quoi on serait responsable. Nous, on vous demande des taxes. Les taxes ne sont en aucun cas liées bizarrement au braquage. Si vous faites braquer, nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit de braqueur ou de détournement fiscal. Donc, malheureusement, non, elles ne seront pas déduites de vos taxes. Si vous faites braquer, malheureusement, on peut dire tout simplement que ça relève de votre responsabilité. Et monsieur Cordias? À quoi vont servir ces taxes, s'il vous plaît? C'est-à-dire? Les taxes ont augmenté drastiquement. Il y a bien un but de cette augmentation budgétaire. Elles vont bien aller dans une caisse. Elles vont bien être servies à quelque chose. Elles n'ont pas augmenté drastiquement dans la mesure où, au lieu d'être passé de 5 millions fixes par semaine, vous passez désormais tous à 20% fixe. C'est-à-dire que 20% de votre bénéfice sera réversé à l'État. Dans la mesure où, à l'époque, c'était en pourcentage. Je ne sais pas pourquoi mon ancien le successeur a décidé de vous descendre à 5 millions par semaine. Ça a été abaissé suite à... Ça a été augmenté du coup avec les taxes.
cette fois-ci à cause du gouverneur qui a réglementé tout mais cela, donc on a été... Je dois, la question demeure toujours, à quoi vont servir les taxes? Alors, à financer l'État, à financer les routes, à financer la police, la sécurité civile, le gouvernement et tout ce qui s'ensuit du reste. Je prends la parole si tu veux. Alors par rapport à cette caisse servira pour toute reconstruction sur l'état de l'île d'Altis. Toute. Donc c'est pour le gouvernement. C'est une restauration complète qu'on va faire. Alors vous avez... Alors moi je vais vous dire en toute honnêteté, j'ai eu consigne du gouverneur avec tampon bien rouge. Toute personne qui refusera de se plier sous cet ordre-là, qui vient directement du gouverneur, se verra sous suite d'une enquête judiciaire, administrative, par le gouverneur en personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose par rapport à cet ordre-là? Du bon, de Rouen, je crois qu'on est tous d'accord. Nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, si vous avez des questions par rapport à chaque entreprise, allez-y. Même si vous souhaitez un explicatif donc, de pourquoi passer en pourcentage, messieurs, je vous laisse m'envoyer un petit message, histoire que l'entreprise de savon, allez-y. Jeff, tu peux bolso. Oui, excuse-moi. J'arrive pas à l'écrire. Vous inquiétez pas, monsieur le ministre. Sachant que nous, entre guillemets, nous l'histoire des entrepôts où... Vous, c'est à part, c'est marqué. Sinon, on l'entend pas, on n'a pas... C'est micro-entreprise. Mais je voulais en venir, en fait, du coup, des entrepôts qui sont abandonnés. Ça va. Je m'occupe de cette affaire-là avec le gouverneur en personne. En personne. Estimation environ. Une semaine de délai. Une semaine de délai. Oui. Et du coup, la libération des entrepôts va s'effectuer comment? Elles seront directement transmises à notre entreprise ou non. Faudra du coup qu'on se déplace? Il y aura une saisie directement par le gouverneur que je remettrai tout de suite en vente par le satellite de l'île. Par l'action du judiciaire. À un prix cassant. Une mise aux gens chère en gros. Oui voilà, à un prix cassé. Alors, en gros, on n'est même pas sûr entre guillemets d'avoir les entrepôts. Ouais donc l'entreprise. Petit bonheur à la chance. Bon, voiture noire, tu viens d'arriver ne reste. Affirmatif, c'est en train de chercher pas les chics. Oui, monsieur. Alors moi c'est pour 2 PAX, voire 3. Il marque le niveau de la sécurité, le obligatoire de vérifier le comportement de chaque individu voulant travailler pour l'entreprise. Pour le casino, personne ne travaille, les gens viennent jouer. Individu. On n'entend pas au fond. Pas exactement, monsieur, on n'entend pas au fond. Alors, au vu du reprise du casino, vous serez appris à part pour un règlement spécial pour le casino. Ça fonctionne pas comme un casino ne fonctionne pas comme une entreprise et on peut pas, je ne pourrais pas dire l'inverse que ça fonctionne comme une entreprise. C'est au vu du jeu d'argent là. Donc il y aura un rendez-vous spécial pris avec les micro-entreprises pour gérer un règlement pour eux. Très bien. Monsieur Thomas Ferreira. Ah c'est ça. Moi c'est une question au niveau de la sécurité aussi. Est-ce que les véhicules des personnes se garant dans l'entreprise devront être fouillés aussi? Juste les personnes qui viennent à partir du moment où on prête un camion, on vérifie sur eux ce qu'ils ont. Ça va vouloir dire qu'on va devoir... Vous n'avez pas le droit de fouiller un véhicule d'une personne. D'accord. En soi, vous n'avez pas le droit de fouiller la personne. Par contre, minimum des choses, c'est déjà de vérifier les permis. Ça paraît ça évident. Si la personne possède une arme, on t'a ramené une à vous de gérer si vous souhaitez prendre le risque de le travailler avec lui. Pardon, j'ai pas bien compris là, monsieur. Une personne se présente avec une arme. Une arme de type civil, une arme de guerre, vous êtes tout tenu de nous en informer. Si elle se présente avec une arme et un permis, ça vous décidez ou pas de le faire. Après, je peux pas vous donner l'autorisation de fouiller des personnes ou des véhicules. Ça... possible. C'est juste question si on devait fouiller tout le monde et tous les véhicules, mais d'accord. Okay. Les gens sont totalement d'accord avec, pas trop d'intérêt, mais vous pouvez pas les forcer. Monsieur Paroff. Oui, moi j'avais une petite question. Il y a plusieurs de mes employés qui sont venus me voir et j'ai pu discuter avec d'autres entreprises aussi, comme quoi Syrah venait leur poser des questions. Alors,
Monster Jam, il se passe quoi? Je savoir pourquoi en fait. C'est une réunion, c'est une réunion d'entre les chefs des entreprises de Lille en fait. Ouais. C'est normal. Qu'est-ce que je réponds? Parce que Syrah, c'est une question de recherche, criminalité et tout ce qui va avec. Oui, bah moi, j'ai un employé qui est venu me voir et qui m'a dit comme quoi on lui avait proposé un poste de PDG s'il acceptait de dire des choses sur moi, etc. Alors, moi je vais vous expliquer. Alors là, soit il fume avec c'est pas des agents de Syrah, ou non, soit non, c'est c'était vraiment des agents de Syrah, il y avait... Non, non, oui, oui. Vous avez la plaque et tout ce qui va avec. Je vais transmettre les techniques de roi. Qu'on m'insulte de dealer de. Donc vous avez le droit de déposer plainte si vous voulez. Merci mon petit. Et je vous prendrai cette affaire. Merci de ton abonnement, c'est super plaisir. Je veux pas porter plainte, j'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'il en vaut, qu'est-ce qu'il nous vaut cet engouement de la part de Syrah. Merci beaucoup monsieur. Bonne journée. C'est une enquête en cours, on va pas ouais, vous dire ça, bonne journée. Vas-y. Pour ma part, je peux d'ores et déjà répondre, tout simplement, monsieur Kovenko, parce qu'on a... C'est pas votre entreprise qui est visée, encore hein, comme j'ai pu le dire par le passé. C'est toutes les entreprises, absolument toute entreprise est ciblée pour les fraudes et autres. Donc, à n'importe quel moment, je peux me pointer, faire un contrôle du fisc, ou faire des contrôles, ou poser des questions à droite et à gauche, parce qu'on a des suspicions, tout simplement, mais pas spécialement sur vous, sur toutes les entreprises. Donc, on va de temps à autre poser des questions, hein, je vous affirme, vous pouvez demander à n'importe quel PDG, mais que ce soit monsieur Noël ou monsieur ouais, j'ai pas spécialement d'autres noms en tête malheureusement, désolé, mais monsieur mes agents de la CIRA en tout cas se sont déjà beaucoup pointés dans différentes entreprises pour poser des questions tout ça simplement plaisir, en guise de prévention et non en guise de VIP. Je sais bien. On met de la pression, c'est juste une prévention. C'est ça le problème, c'est le fait qu'on dise on propose à un de mes employés le poste de PDG si par quelconque moyen il arrivait à me faire tomber. Ben, c'est ça que je trouve un peu c'est rue, nord-est. Simplement des méthodes des méthodes pour voir si vos employés auraient des informations diverses et tout. D'accord. Ce sont pas des moyens. Non, on n'a jamais dit qu'on allait vous remplacer, monsieur. Est-ce que ça, je vous êtes encore parmi nous, vous êtes toujours là, je vous ai pas, on vous a pas viré, on vous a pas dégagé. Moi, ça m'étonnait beaucoup, mais. Je voulais savoir à peu près qu'est-ce qui se passait. Enfin, voilà. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, maintenant, à monsieur Yorick. Je voulais savoir, les taxes, les 20%, c'est effectif à partir de cette semaine ou à partir de la semaine prochaine? Semaine prochaine. D'accord, ok, donc ce sera sur le BNF de cette semaine. Ok. Alors, vas-y. Savoir, là je vous ai envoyé à tous, donc ne concerne pas évidemment le casino et la bubble soap. Je vous ai envoyé à tous un document expliquant les 5 dernières semaines les bénéfices de chacune des entreprises présentes dans cette pièce. Malheureusement, deux des entreprises dans lesquelles qui sont présentes dans ce document, à savoir la O et la Diamond Company, ont un registre assez mal organisé. J'espère que ça va vite s'organiser tout ça. Sachant qu'on va parler maintenant de bénéfices et non de 5 millions par semaine, donc ça va changer. Savoir que j'ai dû moi-même le calculer, je ne veux pas que ça se reproduise, je veux que vos documents soient clairs, nets et précis. Si je dois faire à n'importe quel moment un contrôle, je veux pouvoir y avoir accès. En sachant il y a un membre SRU qui va rentrer rouge. Avant de comprendre les documents, que ce soit là où la Diamond Company, donc j'espère que ça va être réglé. Donc là vous pouvez voir, avant donc les taxes actuelles, qu'est-ce que ça faisait au niveau du graphique et au niveau des futures taxes, de qu'est-ce que ça donnera. Donc, par exemple, vous voyez que si l'entreprise fait un chiffre négatif, on va pas chercher à l'enfoncer non plus. C'est pas notre but, on est pas là pour enfoncer les entreprises. Y a une taxe. Qu'est-ce qui rentre? C'était un membre du SRU, Béret Rouge, et sa voiture, Nord-Est, de vraie barrière. Après, j'espère ne pas avoir d'abus à ce niveau-là, justement, au niveau de la taxe minime. Oui, monsieur... J'ai juste une question, là vous avez marqué le bénéfice, mais c'est pas le bénéfice, c'est notre chiffre d'affaires. Hein. Et si vous mettez 20% du chiffre d'affaires, nous en fait on peut juste plus payer nos employés. Enfin on pourra payer à peine nos employés quoi, parce que 20% du chiffre d'affaires c'est... Négatif, c'est le bénéfice là que non, j'ai non, mis. Non, la semaine passée j'ai pas eu autant de bénéfices, hein. C'est pas ça qui est arrivé dans... Ah bah, nous c'est ce qu'on a calculé au niveau des bénéfices, à savoir que, pour rappel, les bénéfices, encore une fois je vais le rappeler, les bénéfices ce sont quoi? Ce sont... L'argent que vous payez pour les civils, tout simplement, enfin l'argent que vous vous convoie quand vous allez les emmener aux bijoutiers pour les autres et aux acheteurs de pétrole, et moins ce que vous rachetez aux civils. C'est ça le bénéfice, et pas autre chose. Donc vous ne me comptez pas le salaire dedans.
Le bénéfice, il n'y a pas de salaire. Vous prenez avant, le... avant, qu'on... avant la déduction salaire. Donc ça veut dire. Ça... Qu'on... Exactement. Du coup, c'est violent. C'est, pas la... ah, c'est ce qui est censé. Bah, négatif, c'est pas le chiffre d'affaires, ça c'est le bénéfice. Non. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous gagnez au total. Ensuite, le, non, bénéfice, c'est ce que vous faites. Non, non. Ah non, messieurs, alors là, je vous invite à revoir. Si je m'étais mis 70 millions dans les poches la semaine passée, j'aurais été refaire. Ah, moi, je vous dis, en tout cas, c'est ce qu'on a calculé. Là, vous voyez, sur les documents, je me suis inspiré tout simplement. Vous voyez, le niveau des documents achats et des convois de la oil, je les ai pris. J'ai fait un calcul simple. J'ai fait les convois moins les achats. Et ça m'a donné ce, pour ce niveau de chiffre. Ce niveau de chiffre, c'est votre bénéfice. Après, si vous ne savez pas calculer le bénéfice, on pourra avoir ça, bien évidemment. Mais le bénéfice, c'est simple, c'est les convois moins les achats de ce que vous achetez au civil. Et pas autre chose. Il n'y en a pas... En effet, sinon, ça serait bien plus bas, en effet. Vous comprenez bien que quand j'ai fait les chiffres de la Diamond Company, j'ai bien évidemment sauté de ma chaise. Oui. Donc, autre. Et là, je vais mettre le point sur lui. Et vraiment le point sur la table. Le prochain qui se permet de m'envoyer un message, et j'essaie que j'envoyais pour un... quand je fais un convoi pour la prison, je vous fais rappeler que le contrat, c'est pas un contrat, je dois tout le temps aller chez vous. Est-ce que tout le monde a compris ceci? Le contrat à la prison, j'ai de l'or et du diamant. Ouais, ça nous concerne, nous, j'ai entendu l'histoire. Donc, ah bon? Et puis la oil, là. Donc, ah bah je fais pas de pétrole, hein. Dernière nouveauté. Bon, ben, voilà. Ça a changé du coup. Ah bon? Ah, nous on avait eu un rendez-vous. À l'époque, oui. Et puis on avait signé tous les trucs, les contrats. Et on avait des travaux d'intérêt généraux. Oui, vous, c'est les travaux d'intérêt généraux, c'est pas pareil. D'accord, ok. Là, il parle des convois qui vont dans les différents vendeurs. C'est pas autant pour moi, désolé. Après, moi, je... Après, monsieur, excusez-moi de vous couper, hein, monsieur le ministre, hein, puisque ça concerne pas nous, il n'y a pas besoin de dire... Non, il y a aussi la Diamond Company. Non, on a été aussi, on a aussi envoyé des messages. Après, ok, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste l'histoire de prévenir, quoi. Mais je préviens. Bah, écoutez, moi, hier, mes collègues étaient là toute la soirée, il n'y a eu aucun message. Hein. Bon, moi, je vais vous expliquer, ça va être simple. Quand j'irai, j'enverrai un message toutes les heures pour vous prévenir maintenant. D'accord, bah écoutez, c'est parfait, c'est fait. Je vous fais rappeler que le contrat, c'est pas obligatoire tout le temps. Moi, je fais un convoi tout, je sais pas quand. Qu'est-ce qu'on dit, mon très cher général? T'as une idée, toi, si tu m'escortes. À peu près deux fois. Quatre fois par semaine? Ouais, quelque chose comme ça? Comme ça, ouais. Vous faites des convois quand? Combien de fois? Je pourrais pas vous dire exactement. Un jour, donc, voilà. Une dizaine, hein, on est bien d'accord. Bah, selon la bourse, quoi. Ouais. Non, bah, voilà. Une dizaine, pour la LCO et la DC, je pense qu'on est bien autour de 10. Hein. Oh, un peu moins, je pense. Mais c'est pas le coup d'en faire ou de pas en faire. Vous faites ok, vous n'êtes pas. Enfin, comment dire. Vous devez pas être dépendant de la LC et de la DC, mais c'est juste le coup qu'on n'a pas été prévenu. C'est juste ça que peut-être mon collègue qui a envoyé des messages. Peut-être un peu limite, je lui referai la leçon là-dessus, mais moi ce que j'ai entendu c'est juste qu'on n'a pas été prévenu, quoi. Après, si vous me dites que vous avez prévenu, peut-être qu'il y a eu une erreur de communication encore une fois, mais... Mmh. Ouais, quoi. Aussi, donc voilà, il y a aussi une chose. J'ai entendu dire aussi que, je sais pas si ça vous est remonté, vos membres sont amusés à mettre la musique à fond dans votre truc et à déranger le travail de mes employés. Qui ça? Alors, je sais pas si je vous enverrai des preuves si vous voulez. Marshall ou des policiers? Des Marshall. Demande aux entreprises qu'ils arrêtent leur convoi le jeudi soir de 20h à 22h. Puisque nous on est en cérémonie et à chaque fois ils nous envoient des messages comme quoi ils font des convois. Il y a sanctions qui sont par derrière. Oh, ça, on s'en fout. Ils sont en train de me reprocher à la pénitentiaire de faire des convois et de leur faire perdre de l'argent. Ah ouais, ça j'ai bien capté. Mais bon, comme t'as tous les patrons d'entreprise, tu pourrais leur rappeler que le jeudi soir, de 20h à 22h, c'est pas la peine de faire de convoi. Voilà. Moi, j'aurais une question en tant que futur micro-entreprise, donc oui. Double Stop. En termes de sécurité, est-ce qu'on aura un armement amélioré comme les entreprises déjà en place, type DC, etc. Ou on reste avec l'armement basé sur... Alors, donc là,
Sur papier, vous avez vu, c'était marqué micro-entreprise. Donc ça représente quoi, messieurs? Micro-entreprise. Pour vous. Petite entreprise. Oui. Et il y a le terme? Entreprise. Alors, est-ce que ça suffit à votre réponse, messieurs? Oui, ça suffit. Vous, vous n'aurez pas le même nombre de sécu, par contre. Comme vous êtes une micro-entreprise, ouais, ça sera un nouveau truc pour vous. Donc, suivant. Monsieur Bini. Là, c'est autre chose. Je vais passer deux petits mots juste avant. Vas-y, très cher. Ouais. Alors, ce que j'en ai encore vu des messages de tout à l'heure, le jeudi, je pense que c'est pas non plus un secret, la police est en cérémonie. Hein. Donc, entre 20h et 22h, c'est pas la peine de nous appeler. Hein. Si vous faites des convois à cette heure-là, vous savez qu'on n'est pas là. Ouais, file ta carte. Et c'est ok pour tout le monde parce que j'ai encore vu des messages, je peux rien faire pour vous là, à cette heure-là, malheureusement. Des braquages, ce sera de... un peu votre responsabilité. Hein. C'est pas forcément. Bon, ouais, de vous faire braquer, mais vous êtes au courant que. Pour info, il y a aussi Ramon de je sais plus quelle entreprise qui a dit que la police fait chier parce qu'ils sont toujours obligés de nous attendre. Hein. Trois groupes gouvernementaux, ça nous permet de voir les mises à jour. Ouais, donc du coup, pour les jeudis, c'est comme ça. Pour sécurité, là, les employés de sécurité, faites en sorte qu'ils aient les mêmes tenues. Qui vont bientôt avoir des nouveaux emplois de sécurité aussi. Faites en sorte qu'ils aient une tenue un peu commune, qu'on puisse reconnaître et assez facilement des rebelles. Ouais, parce que ça. Potentiels bandits. Le problème, c'est qu'après, sur les zones, après, on a un peu de mal à vous différencier. Ça. Ouais. Donc voilà. C'est ok pour tous là ? Yes. Ouais. Donc. À niveau sécu, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Attendez, monsieur, au fond. Donc, monsieur Béni, la légende caïssienne. Donc, là je peux pas dire l'inverse, au vu des comptes en banque et tout ça. Ah ouais, j'ai été faire aussi un tour. Ah, c'est l'OSF. Hein. J'ai été faire un. Ouais, du coup, y a personne qui est intervenu sur le champ après. J'ai été faire un tour de tous les comptes en banque avec accès. J'ai demandé donc avec un document judiciaire pour vérifier chaque compte bancaire personnel. Mais toi, c'est l'école, c'est pas pourquoi. Monsieur Béni, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que j'ai une seule vendeuse qui est Affinity, Madame Affinity, qui se trouve à moitié toute seule de presque toutes les semaines. Bah là, j'ai des vendeurs qui sont partis. Faut-il que j'explique plus ou je laisse mon collègue à côté expliquer plus parce que vous venez seulement récupérer la grosse paye? Ah non, pas du tout. D'accord. Alors, pouvez-vous m'expliquer combien de fois vous êtes là actuellement? Comment? Combien de fois vous êtes là actuellement à l'entreprise présente? Bah, je reste là au moins 5 jours sur 7. D'accord. Entendu, non, j'ai pas entendu, excuse-moi. T'as une suspicion judiciaire, ça n'a pas été vu devant les autres. Je sais, non, il n'y a pas de suspicion judiciaire. C'est une demande. Donc voilà. Donc, c'est un rappel pour aussi. Les uns devant les autres. C'est pour un rappel aussi pour tous les chefs d'entreprise. On vous. L'État vous donne une entreprise à gérer. Je veux pas comme un ancien patron qui s'est barré avec la caisse. Est-ce que vous comprenez tout ça? Oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà. C'est tout. Si donc voilà. C'était qui voulait lever la main là-bas au fond? Il y a monsieur Yuri qui est Thomas. Ouais. C'est moi. C'est donc, monsieur Yuri. Vas-y, Yuri. J'ai une question qui n'a rien à voir avec les taxes, etc. Je voulais savoir, c'en était où de la demande? Je crois que la LCO aussi a fait cette demande-là concernant les tempêtes c'est d'entreprise. Hein? Ah, vous avez pas eu vent de ça? Ou non. Tempête, je croyais avoir. J'ai pas reçu la demande. Avoir entendu parler de vous. Que la CEO avait demandé ça. En tout cas, moi je sais que l'ancien PDG, Julien Hawk, avait fait la demande et on avait répondu que d'ici une semaine on aurait une réponse. Voilà, ça fait plus d'une semaine que je suis en poste et lui c'était il y a un bon moment. Bah voilà, ouais, ça veut savoir si on allait avoir des tempêtes pour les entreprises parce que les clients nous en demandent et mettre nos tempêtes ou des tempêtes personnelles des gens pour se les faire voler par derrière, c'est un peu limite. Il me semble que la oil on a déjà, non? Je sais pas du tout. Non, la oil, tempête négatif. Non, ça mine pas le pétrole, je crois. Moi j'ai pas tempête de leur entreprise hein, avec les couleurs d'entreprise. Moi j'ai pas vu de lettre par rapport à ça. J'ai rien reçu non plus de toute façon. Donc, vous me ferez une belle lettre? Oui, bien sûr, pas de soucis.
Donc, et là, il y a. Et là, ça arrive. Et juste pour parler, moi, je pense que ça touche pas mal d'entreprises en ce moment. Enfin, ils sont venus voir notre entreprise. C'est énorme. Des pandas moqueurs, là, ou pandas machin, là. Ils sont venus nous voir tous. Les investisseurs. Cool. En gros, pour vous faire un bref récapitulatif de ce qu'ils disent, c'est qu'ils se revendiquent pour la défense des pandas et pour, ils veulent en gros qu'il y ait moins d'émissions de CO2, etc. Et en gros, si on les paye pas, ils viennent braquer les convois. Ah, en gros. Tout à l'heure, ils bloquaient notre champ. Ça va faire comme la secte en fait, c'est la secte B2, si vous voulez. Ah, j'enverrai des patrouilles sur vous alors. Des... Si vous voulez, j'ai deux noms déjà avec un enregistrement audio. On verra ça après, monsieur. Ouais, ça après. Voilà. Monsieur, pardon. Oui, juste une petite dernière question, je vais revenir là-dessus parce que j'ai refait mes calculs. Vous êtes sûr que. Parce que là, si vous nous prenez 20%, en gros, vous prenez 10 millions sur 54 millions en fait. Oui, non, c'est pas ça. Bienvenue pour le moment de cette semaine. J'ai pas encore mis le lien, enfin, là, c'est les vidéos sur YouTube. Véhicule en offre noir, nord-est, deux véhicules. Ça prend pour la semaine prochaine. Ouais, pour donner un exemple, c'est sur le... En gros, ce que vous comptez comme notre bénéfice. Donc une fois après on doit encore déduire les salaires, les pertes etc des braquages etc. En gros vous nous prenez 20% de salaire. Derrière le... En gros c'est simple, comme je l'ai dit et je vais l'arrêter, si vous faites un bénéfice de un 5 noir, millions, admettons qu'on vous prend 1 million, et vous aurez 4 suit, millions pour payer vos employés, payer des formations et payer tout ce qui vous servira d'autre. Comme dans toute entreprise normale, ce qui est censé se passer. Le deuxième, pas c'est une sorte c'est pas, de... Vous n'êtes pas censé compter tout dans les dépenses. Quoi. Ok, d'accord. Parce que du coup, là, sur nos 53 millions, par exemple, de chiffre d'affaires qu'on a, vous nous prenez 10 millions. Presque 11, en gros. Pas le chiffre d'affaires, hein, quand même, c'est combien que je... Dans les 800 000 euros, en 800 000 $ en civil. Le bénéfice ne compte pas les salaires. Le bénéfice, c'est vous prenez vos convois, vous prenez ce que vous rachetez au civil. Non, mais c'est pas grave. Enfin... Vous prenez les convois, vous faites moins ce que vous achetez au civil, vous avez un chiffre et ça, c'est le bénéfice. Vraiment, c'est chez d'affaires. Après. On a compris l'idée. Autre chose. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'on prend avant les salaires? En gros, non, c'est juste pour nous empêcher de gagner de l'argent, quoi. C'est ce que je comprends, moi. D'accord, c'est ce que vous pensez. Les autres? Oh, pas d'idée. Ok, non. Parce que vos prédécesseurs, pour ne pas payer les taxes, donnaient des millions à tous les employés. Que le noir qui rentre dans le dispositif. Sans argent pour la sécurité civile, donc pas de soins, donc vos employés, vos familles, les personnes avec qui vous travaillez, pas de soins. Pas de réparation des véhicules non plus, parce que ça c'est quand même bien se garer gratuit par la sécu. Plus de protection parce que la police peut plus s'équiper. Donc braquage, donc vous avez non plus. Deuxième plus véhicule, plus. Collègue. Donc ça fonctionnera pour personne. Donc si ces mesures vous plombent un petit peu vos finances, rappelons que vous faites quand même beaucoup d'argent ces derniers temps. Je pense que vous n'avez pas besoin de tout ça pour vivre non plus. Ça pourrait être revu. Mais je pense que dans l'état actuel des choses, vu les bénéfices faits, ça vous en sortez très très bien, et même avec cette nouvelle réforme, vous en sortirez toujours très très bien. Même que ça peut vous arranger pour l'ensemble, parce que 5 millions, si une entreprise fait un chiffre négatif, comme la LCO a été enregistrée, elle a été taxée de 5 millions. 5 millions pour une entreprise qui fait un bénéfice négatif, je vous avoue que ça peut la mettre mal. Alors que là, avec les 20%, si jamais elle fait un chiffre négatif, le chiffre, si jamais vous faites moins de 2,5 millions, ça sera de 500 000, c'est rien du tout. Au contraire, ça vous allège. C'est uniquement que si vous faites un très gros chiffre, que là, oui, ça va possiblement vous pénaliser. Et encore, ce n'est même pas pénalisé, parce que, comme vient de le dire le général, ça va permettre de financer plus d'armement, plus de sécurité et plus de protection. Et ça, on va le ressentir, normalement, ça? Ah oui, on le ressent. Bah, écoutez, je vous verrai ça... Moi, je vais me permettre, simple question. Où est passé la Vorvisacon? Où sont passés les groupes rebelles là aussi. À votre avis? Monsieur. Du coup, vous avez dit que mon document n'était pas bien fait. Du coup, vous avez plus besoin de faire le calcul. Vous avez regardé, juste fait une formule. Regardez, taxes écrit 20% de ça. Donc vous verrez. Hein.
mais après, comme je l'ai dit, moi il me faut un historique, donc il faut que je puisse voir toutes les tous les je veux. Non, je veux pas, c'est pas que je veux pas l'historique, c'est que je veux l'historique en gros de cette semaine vous avez fait tant de bénéfices, vous avez payé tant de taxes, cette semaine vous avez fait tant de bénéfices, vous avez fait tant de taxes. Je veux pouvoir à n'importe quel moment, si je vais sur votre document, je dois pouvoir retrouver toutes les taxes que vous avez payées, tous les bénéfices et toutes les rentrées et sorties d'argent. C'est qui actuellement est visible mais moyen. Le tableau de bord, il y a tout. Allez vite. Si je vais sur les documents de la Legendary Collection, tout est référencé, tout est propre. Il y a marqué en gros le bénéfice. Les bénéfices, il y a les impôts qui sont déduits de ça. Et après les impôts, Monsieur Noël fait les payes. C'est tout à fait ce que je vous demande. Vous faites le bénéfice. Vous, ensuite de ça, vous déduisez les impôts des bénéfices. Et vous redistribuez la paye, ou vous en faites ce que vous voulez. C'est pas moi le PDG, c'est pas moi votre directeur financier. Voilà. Enfin, je peux pas faire plus simple que ça. Hein. Enfin, il y a tout sur le tableau de bord. Tout ce que vous m'avez dit, c'est sur le tableau de bord. Hein. Vous avez qu'à regarder, c'est tout écrit. Bon. Et même je vous ai fait le truc possible, pour mais vous. Toutes les semaines, il y a marqué. Eh oui, mais ah non, pour toutes les semaines, on a fait un truc historique. Sinon, ça prendrait trop de place sur le tableau de bord. Mais voilà. On a un historique, si vous voulez. Normalement, vous avez déjà accès, je vois. Vas-y, monsieur Bernie. Ouais, je voulais dire aussi aux autres PDG, ça met un petit peu d'équité quand même, parce que si je regarde par exemple la semaine 21, je vois la DC, ils sont à 189 millions de bénéfices, et 5 millions d'impôts, nous on est à 54 millions, on paye 8 millions d'impôts. Ça. Donc on paye 3 millions de plus pour faire 4 fois moins de bénéfices que... Oui, ouais, c'est pour ça, comme dit précédemment, dans les ça ne fera qu'équitabiliser les choses. Après on paye toujours plus, mais bon, je veux dire, ça n'empêche pas de vivre, voilà. Je te jure. Autre chose. Tout contrôle de sécurité par la sécu est obligatoire. Toute personne qui se montre dans un comportement obstruissant pour la sécurité civile recevra un blâme de la justice. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur le ministre. Par exemple, c'était l'exemple qui s'est passé au niveau de la OIL d'un individu qui était un agent de sécurité et qui a mal parlé à un civil, lui a fait des menaces de mort ou je ne sais quoi. Renvoyé. Exactement, ouais. Mais je ne dis pas ça contre vous, monsieur Kovenko, je dis simplement que c'est un cas de figure qui peut arriver dans n'importe quelle autre entreprise et que nous ne voulons pas absolument passe, pas voir. Bon, voilà. Après, légalement, bon, il a menacé de voir quelqu'un, donc il risque des choses sur... Il risque des choses lui, mais c'est surtout l'image de l'entreprise qui risque la sorte. Ah, c'est pour ça que... Mais vous avez très bien réagi sur le coup. Voilà, autre chose, j'ai demandé à chaque groupe de me faire des flyers. Est-ce que vous êtes à quel niveau pour vos flyers? Hein? Des flyers, j'ai juste une question par rapport à ça, monsieur le ministre. Oui, c'est pas moi, c'est privé, ça. Allez-y. Donc, les flyers, je pourrais les mettre sur le ministère de l'économie. C'est pour vous représenter, pour faire de la pub pour vous. C'est genre une image avec un logo écrit... Enfin, on voit que c'est par exemple pour le pétrole, etc. Avec oui, vous expliquez, etc., quoi. Vous faites un petit résumé de votre entreprise. De publicité, quoi. Voilà. Vous transmettre ce que j'ai fait, enfin ce qu'on a, oui, et vous me dites si ça vous convient, je vous en privé. Quand vous aurez le temps, je voudrais bien savoir au niveau. Donc voilà, niveau, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez encore des questions? Oui, j'ai encore une question, moi. Allez-y, monsieur. Donc, concernant les braquages, vous avez dit que c'était pas déductible. Quand on n'appelait pas la police et que la police n'était pas présente, si maintenant la police faillit à sa tâche, maintenant ça arrive. Normalement jamais. Est-ce que c'est déductible? Vous voulez dire que si on constate le braquage de nos propres yeux, que vous n'êtes, vous nous assurez la protection, non, que vous nous assurez la protection et que malheureusement vous n'en êtes pas capable une fois sur les lieux. Personne est mordé. Dans ce cas-là, est-ce que c'est déductible? Que vous en pensez, bah ça on verra. Avec on fera une mise à jour s'il faut. On verra. On verra, donc pour le moment, on déduit pas. Pour l'instant, non. D'accord. Et dans tous les cas, si vous payez trop, on vous remboursera. D'accord. Est-ce que vous avez encore une question ou pas? Parce que là, il y a toutes les entreprises rassemblées, il y a tous les services gouvernementaux, donc c'est le moment, je crois. J'en avais une petite. Vas-y. Pour vous, voilà. C'est. Je voulais savoir par rapport à l'avenir des entreprises, si vous pouvez nous en dire plus. Hein? Est-ce que ça va se développer sur l'île, etc. Qu'est-ce que vont devenir les entreprises par le futur? Est-ce qu'il y aura du changement, de l'amélioration? Alors,
moi je vais vous répondre. J'en sais pas plus. Là, faut faire une lettre auprès du gouverneur. Ah bon ? Ouais, vous faites une lettre auprès du gouverneur, vous me la passez et je l'enverrai au gouverneur. Donc voilà. Merci pour votre réponse. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, si quelque chose a changé, vous serez les premiers informés quand il y aura quelque chose de sûr. Allez-y, monsieur Joseph Jagger. Est-ce que ce sera possible de s'entretenir avec vous du coup en privé à la fin de cette réunion ? Oui, il y a tout. C'est personnellement. Donc voilà. Bon, merci. Autre question ? Assemblée ? Bon, je vais taper un dernier appel. Vas-y. Comme dit précédemment, au niveau de la sécurité, je compte sur vous pour l'ensemble parce que j'ai encore surpris des photos, des vidéos de différentes entreprises, que ce soit, on va pas citer de nom, il y a à peu près toutes, pas spécialement trafiquées, mais discutées avec des individus armés, avec des individus tout simplement équipés illégalement, etc. Je rappelle, si on vous chope avec des individus armés illégalement ou équipé illégalement ou avec des véhicules illégaux, etc., ça peut vous sanctionner. Donc, si vous voyez ces messieurs, vous les invitez à partir ou vous contactez la police. Limite, c'est le meilleur réflexe à avoir. Je rappelle un autre détail. Un individu, pour les entreprises qui travaillent dans l'industriel, à savoir les entreprises minières et pétrolières, si vous prêtez des camions, si l'individu n'a pas son permis tout court ou son permis de camion, vérifiez tout ça et qu'il ne laissez pas prendre un bateau ou un camion à quelqu'un qui n'a pas son permis. Parce que c'est un peu malheureux, hein. C'est bête à dire, mais c'est très peu vérifié. Ouais, parce que vous serez amendé pour ça. En tout cas, dans la CO, c'est vérifié ça. Enfin, de ma part, on a remis les contrôles à l'entrée, quoi. Cobra de DD. Maintenant vous êtes prévenu. Cobra de DD. Pas prévenez la police et ne restez pas à côté des individus armés. Cobra de DD. Avec eux, ça ne sera que sanctionnable pour vous. Non, pour Asta, tout à l'heure j'ai appelé la police parce qu'il y avait le chef donc des pandas qui était devant. Panda machin, je sais pas quoi, qui était devant nous. Aujourd'hui ? Oui, tout à l'heure et. Ouais, c'était pendant votre réunion, mais. Cobra de DD. Comme ça, c'est des photos, comme quoi il y a des gens. Cobra de DD. T'es pas tout à fait deux, toi ? Aussi, nous on a des rebelles. Pourquoi Cobra, de DD. Tout d'un coup, il y a des rebelles qui sont arrivés qui ont dit vous êtes. C'est quand vous voulez, vous prenez en compte les messages téléphoniques, les gars. Il y a des braquages à l'aéroport, il y a des camions de convoi de LSD, il y a plein de trucs là. Un fils, on a essayé de chercher justement les braqueurs de la LCO, on a fait douane sud, etc. Terminal, on a rien trouvé. Prenez tout en compte, les gars. Si vous avez eu des informations concernant le groupe de soi-disant investisseurs qui sont venus, je sais, à l'ADC, après pour les autres entreprises, je sais pas, qui nous ont proposé 200 millions pour avoir 40% des parts de l'entreprise. Ça a été signalé, mais on n'a pas eu de nouvelles de ça. Je suis pas au courant. C'est pas notre sort puisque l'entreprise ne nous appartient pas. Passé dans la SC en tout cas. C'est pas passé dans la SC, ok. Passé chez nous non plus. De toute façon, dans le plus cas, c'est pas une décision qui vous appartient. Voilà. Par contre, si ces personnes se montrent un peu plus menaçantes ou quoi que ce soit, prévenez-nous de suite. Hein. Ah, merci, bien pris. Donc, ils vont tenter avec l'argent, mais si ça passe pas, il se peut qu'ils soient plus agressifs. Hein. Donc, je vais clore cette réunion. Donc, je remercie le personnel de la Légion Colessienne. Donc, monsieur Merny, madame Affinity, monsieur Vassili Chauvin, c'est ça ? Non. Je remercie Bubble Savon. Donc, je m'en excuse encore pour la prononciation, j'arrive pas très bien. Je remercie pour le casino pour sa présence. Je remercie Monsieur Yurik et Monsieur Edouard de leur présence de la Diamond Company. Je remercie Thomas Ferreira, Monsieur Taylor de la Cité d'Or qui sont venus. Je remercie Paros Kovinko, Monsieur Claude Vordias et Jean Ginetur pour votre présence de la barrières. Entreprise. Et je remercie Monsieur Spark en tant qu'investisseur principal du gouvernement. Donc, je termine cette réunion. Cette réunion est clos. Donc, si vous avez des rendez-vous à me prendre avec moi, je suis disponible dans le bureau en bas. Vous attendez pour prendre mon livre. D'accord ? C'est bien fait, monsieur le maire. Monsieur le ministre, merci à vous. Réunion terminée. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage pour les PDG. Et bonne journée à vous, monsieur. On a émis des traceurs GPS ou pas ? Ah, je rassure absolument tous les véhicules. Ça va. Non ! Bouge. Une prochaine fois, monsieur. Au revoir, merci. Et à bientôt, bonne journée.
Ah vous aussi. Monsieur... Bon, la sortie nord-est pour les véhicules RS, c'est clean, ils peuvent sortir par contre. Bonne journée messieurs. Ah je suis en train de libérer les accès. Ah monsieur Touche, vous avez un mot? Bonne journée monsieur Touche. Armement. Monsieur Tiger, vous pouvez m'envoyer. Ah, mais... J'ai pas compris. Un moment. La vidéo en question. Affirmatif. Quand, trois... quand toutes les autres personnes m'attendent en bas, pour rendez-vous à son ministre, je dis attendre. Passé, j'aurais besoin de. Item, monsieur Tiger, parlez-moi ça. Ça, ce serait drôle de décider. Monsieur Parent, juste une semaine. Ah bah, tous les civils doivent voir ça, vous devez voir. Ça fait drôle. Monsieur Cordia, c'est parmi les messages, s'il vous plaît. Ah mon dieu. Bonne journée. Propos de. Non, je suis choqué. Viens, on va demander des faits là. Ah, elle est là. Il est là. Tu peux m'envoyer ma fille. On a un principal. Demain, avec mon PDG, on a une petite question à vous poser. C'est plutôt à l'opinion ministre. Je croyais que c'était à lui. Monsieur le PDG, je vous invite à venir vers moi. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, qui du coup ah, bon, il y a la rigueur, en arme secondaire, mais il bon, bah, il va demander au. Il est là, monsieur Jeff. Monsieur Jeff monsieur Dicker, parlez-moi. On vous rappellera rendez-vous après, une fois qu'on a fini rendez-vous. Bon, monsieur. Je vais le chercher, je reviens. Vous voulez me parler seul ou accompagné? Je remonte, je cherche mon collègue, ne vous inquiétez pas. Sinon, rien à rajouter. On parle seul. Un ou deux jerrycans sur toi. Attention, on aura dans l'hélico. Kit de pochage, Red Bull, bouteille d'eau, donut. Une R si possible. Hop. Pardon. Hop, voilà. Oula. Moi, pas fait. On va pas le voir ça. Allez, on va. Du coup, Cobra, ils sont où Viper? Je suis en fait. Non, non. Non, ça sert à nous, on est très rarement seul. Ah non. Enfin, déjà derrière, c'est des bidons et puis déjà tout ce que t'as à manger. Vu que t'as un sac longue portée en l'occurrence, si t'auras pas trop de place. Longue portée n'est pas obligatoire. Hein. Tu peux prendre un sac classique. Râler, c'est dit en général? Tu vas t'entendre râler comme pas possible. Ouais, on a entendu ça, surtout monsieur Cordias. Salut Toxic Big, ah, bienvenue à toi, merci d'avoir follow la chaîne, tu peux nous rejoindre sur Discord pour les jeux comme le ça parle de moi, je suis encore disponible hein. Revoir le live. Oh oui, merci mais attends, il est bien ça, monsieur Cordias, on s'aime bien tous les deux. Ah, mais c'est le cousin de... Ah bah c'est bon, autant pour moi, je vous aime aussi monsieur. J'aime pas le boost. Qu'est-ce qu'il fait beau? Il fait beau dans le bateau, putain, il fait chaud ici. Bref. Du coup, on est pas mal. Ah. Genre, on va changer ça tout de suite. Scarfield, j'ai donné le document, assure. Ok. Mais ça, il aura un peu des yeux, mais pas trop. Mais ça va. Oui, Kowalski. Ouais. Le bandana, c'est le. Schéma que plutôt, c'est le premier, t'as le mauvais. Ah. Oui, c'est vrai, il y a une couleur légèrement différente, j'ai un peu. Change. Non, faut prendre le premier. Pas obligé de prendre la longue portée CE, tu peux prendre un sac classique CE. Le marron. Nombre de longue portée, c'est que. Oh, du coup, on a Ron qui est équipé, si vous voulez revenir avec nous. Monsieur Dimers. Mais on est 5 du coup. On peut faire du coup un Delta et un L4, c'est vous. Hein? Ça va la vache? Quoi? Pas monsieur. Non là. Tu dis monsieur? Attends, oui. J'ai regardé. Ah, j'ai pas fait exprès. Du coup, voilà. Vous parlez Delta? Plus fort. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Petit Delta? Piloté par vous-même? Ouais, ou ça, je peux mettre le gendarme. Ok, j'ai un traçage GPS qui vient de partir, on me dit tout il va et où il s'arrête. C'est vous? Général, reçu un pilote. Donc, à moins qu'une des deux recrues. Que c'est reçu. C'est quoi le traceur qui vient de partir? Se débrouille. C'est un traceur qui est parti. La Zimidbar, c'est le pire truc de. C'est pas hypothèse. Lopez se débrouille pas mal pour ça. Je sais pas qui c'est qui parle là, mais. On entend très très fort. Il faut qu'on ait tous des costards de lui. Excusez-nous, on va.
Tu peux me dire quel traceur est parti, s'il vous plaît? C'est moi? Moi j'ai aucun traceur qui a bougé, c'est bien. Nerveux. Je suis chaud. Prends pas votre rendez-vous important, je dois. Allez, mais calmez-vous. Bon, du coup, Lopez avec Général et puis Aaron. Il manque des traceurs. C'était quoi le mail qui va se dire? La police a le droit de contrôler tout le monde. Ou doit y avoir un motif. Bah non, tu dois te soumettre au contrôle d'identité. C'est pour fouiller. C'est pour fouiller que y a des... c'est réglementé, mais tu peux te faire contrôler. Si tu refuses de te faire contrôler, c'est que tu as quelque chose à cacher. Quelle entreprise? Le casino. C'est pour ça qu'il y a des faux papiers en fait. C'est dont vous. C'est dont vous. Mais tu peux. Non, moi je suis DRH. Tu dois même te soumettre au contrôle de la police. Alors, enchanté, enchanté. Je discute. Je fais du contact social. Vous laissez ? Là. Que nous disons. Le casino. C'est pas que c'est le guignol qui fait ça. Hein. Actuel, le casino est fermé, il est censé ouvrir demain. Bénéfice, et tu prends tout. Vers 20h. On va dire à 20h normalement. Voilà, la dernière date fixée. Ouais, mais bon, après, c'est d'accord, comme ça. D'accord, c'est d'accord, comme ça. D'accord. Et il y aura quel type de jeu si. Vous savez? Il y a Blackjack, ça, Roulette, Machine à sous, Jackpot et Pile ou Face. Et c'est des choses qu'on peut contrôler, c'est vous, on a ouvert confiance à aveugle. C'est vous qui le contrôlez. Vous, vous avez c'est pas de fixe à payer, genre vous avez pas de personne. Enfin, quand je dis pas de personnel, je veux dire vous avez pas de. À part vos employés, il y a que ça que vous payez, tu vois. Après, je sais pas pour vous, du coup, en fait, le truc c'est que pour votre cas, je sais pas, je connais pas de ça va se passer. Ouais, oui, ça va. Voilà, je connais cette application, oui, je d'accord, oui, c'est une bonne idée, en effet. Un peu compliqué. Jeff, on a 9 millions de bénéfices, on a 9 millions de bénéfices. Ah, c'est demandé par l'équipe du savoir. Affirmatif, je suis en train de parler avec Monsieur Kovenko, je les prends juste. C'est marqué. Notre bénéfice est à 9 millions et on a fait un chiffre d'affaires de 60 millions. Pourquoi pas, oui. Si, Ouais, eux, ils veulent prendre la taxe sur le chiffre. Après, on ira faire un débrief. C'est quoi qui gueule dehors? Alors, je sais pas si vous avez son numéro déjà. Est-ce que vous pouvez baisser le ton, s'il vous plaît? Je vous passe le mien. Merci. On va payer plus de tâches qu'on a de bénéfices. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, vous. Allez, venez. Sur moi, je fais que courir. Ouais. Je viens. Monsieur le ministre. Nijutsu, Nijutsu, là, il est patron de quel bot, lui? Bonjour. Bel habillé, dis-moi. Médecin ? Scientifique. Vous travaillez dans ? Le savon. Entreprise de savon ? Exactement. Oui, c'est rose partout. Je n'étais pas au courant, j'éclairai ma lampe. Si maintenant elle est éclairée, c'est un bon signe. Oui. Une lampe éclairée éclaire mieux le chemin obscurci par les ténèbres. Eddie, on m'a toujours dit que le meilleur savon était fait à partir de graisse humaine. Ah bon? Où je viens, c'est ça pense quoi. Ça dépend. Vous connaissez le livre Le Parfum avec l'essence? L'essence de chaque femme, non? Vous connaissez pas? De chaque femme, non. Bon, bah c'est un livre. Je ne connais plus l'auteur, c'est un livre assez connu pourtant. Si je ne m'abuse, je sais plus. Je regarde sur mon téléphone juste après. En fait, c'est un livre qui parle d'un homme qui est un lit. On va dire comme une sorte de chien, on va dire, comme nez. C'est-à-dire qu'il il sent les odeurs, et quand il trouve une odeur intéressante, ben, il la traque et on va dire il la récupère de façon très peu orthodoxe quoi. Il récupère l'essence de chaque odeur sur des humains. Donc, inquiétant, oui, c'est inquiétant, mais c'est un livre, hein, c'est pas une vérité. Mais je vais retrouver l'auteur. Ouais, c'est un sens, c'est un sens. J'ai un problème, il y a des traceurs qui ne peuvent pas se poser sur les véhicules. Il les tue de manière peu orthodoxe et récupère certains morceaux, tels que, on peut dire, comment ça s'appelle déjà, l'utérus,
choses comme ça qui dégagent une odeur et que, qui trouvent intéressante. Et avec ça, il crée des parfums qui revend dans les rangs normales. C'est mon crâne qui. Voilà quoi. Et en ce livre, il dit que d'ailleurs. C'est. Ok, oui. Il pleuvait devant la berge. C'est un écrivain. C'est un vieux livre. C'est pas trop. Voilà. C'est vrai. Ils sont bien présents. J'ai fait chose de cliquer avec l'histoire de médecin. Monsieur le magistrat ? Je sais pas, je vous ai. J'ai entendu. Alors là, ça c'est je monsieur en chapeau de paille là. Vous entendez quoi ? Il faut prendre mon masque à gaz et mes circlex. Hein. Là. Oh non ! Si t'as dit, aussi t'as fait. Le masque à gaz et circlex s'il vous plaît. Voilà. Si jamais on a besoin, il y a toujours un qui est disponible, voire même les deux. Ah oui, je vous ai appelé, merci. Oui. Je suis quelqu'un de confiance. Ah ça. Je suis moyennement sûr ce soir. Par contre, tout le monde. J'imagine, hein. On a dû faire des. Voilà. Pas de soucis. Bon, rafraîchissement dehors, alors. Merci. Ah ouais? Faudrait que je fasse un tour. Vraiment, le retour est gratuit sous 7 jours. Il en règle. Bon, j'espère qu'on va les avoir ces entrepôts parce que si on se fait baiser. Va le faire, messieurs, je crois en vous. Bah là c'est question business là. Une entreprise en argent. Les autres, il y en a pas les centaines de millions pour acheter un entrepôt. Allez, compte, si déjà on commence à payer les entrepôts plus de 100 millions, ensuite il y a les taxes derrière, etc. Sachant qu'il y en a deux, on doit en avoir deux pour avoir le déjà minimum de les deux derrière, principaux. Les clients, on a le barrière. Je mets la clé déjà. Hein. Ça va te changer beaucoup de choses. Ça va te faire beaucoup de choses.
moteur il marche plus. Sur le compte en banque. Ah mais là, ça serait compliqué. Mais là, vous voulez faire voler l'île là. Ouais, aussi. Hein. Peut-être. Je sais que vous voulez faire un jeu d'Arc numéro 2 à ce point-là. Mais c'est pareil, il y en a, ils veulent de l'argent, mais ils bossent pas. Ah bah bien sûr, ça y en aura toujours. Alors ça, c'est trop facile du coup d'aller taxer ceux qui ont bossé pour avoir de l'argent. Non mais ceux qui bossent pas, ils ont pas de grosse voiture en même temps. Bah ça, vous savez, c'est pas totalement vrai. Hein. Là, ouais. Là, il y a j'en vois plein qui bossent pas, pourtant ils font plaisir. J'en ai des touristes qui passent à la LC, monsieur, vous savez, hein. Comment ils font pour se payer des grosses voitures? Bah vous savez... Demandez à ceux qui leur donnent de l'argent et de l'argent parce qu'ils en ont trop. Ou alors c'est de l'argent sale et qui blanchit sub. Oui, c'est oui, passé quoi là, en fait, là qui, à, aux nouveaux arrivants. Bah bien sûr. Et c'est un monsieur qui a cherché une voiture à 1 million... Le mourir par Faites-moi mourir quoi. 1 million 20%... la LC, c'est qu'il y a un pépin quand même. 1% de notre chiffre d'affaires qui est et je jure, je t'ai demandé de ne pas me donner le pourcentage sur le chiffre d'affaires et du coup il va m'être retiré du coup. Je vais le retirer à tout le monde là. Ah ouais, non, bah oui. Bah tu penses, ouais, bon bah. C'est vrai que c'est pas normal, mec. 20%. On va perdre trop de pognon. 100, mec. Franchement, oh, messieurs les policiers, millions, c'est énorme. Millions, 20%. Ils viennent, ils prennent 20 millions. Ah, c'est pas nous, monsieur. Hein, c'est nous, on exécute. Hein, après, avec le casino, on va avoir mal au cul. Et surtout, vous devez déjà me donner 7%. Comment ça? Le casino doit vous donner 7%? Oui, c'est un investisseur. Ah oui, c'est vrai, putain. J'ai complètement oublié ça. Putain, donc ça fait 27. Hein. Ah bah, le petit détail important, de 20 ouais, c'est, 27. C'est comme la chemise de Monsieur Noël, hein. Si elle n'avait pas le bouton, elle tiendrait pas, voilà, petit détail aussi. Ah vache! Bah ouais, c'est la fin du casino, je crois. Ton service. Et Bernie, ça te fait pas mal au cul, toi, d'apprendre, tu vois, j'ai pris 25%. Bon, écoute, de base, on payait déjà pas mal. Elle hein. Était là de notre pas l'entreprise, donc si tu veux, la taxe là. Il a relativisé, hein. Mec. Mais vous êtes pas trop de quelle entreprise, vous, en fait? Parce que j'ai pas trop suivi la dernière. Ah, oui, c'est vrai. Ah, entreprise là. Bon, tu vois, là, par exemple, par off, on va payer plus que ce qu'on se fait, en fait. Genre, on va payer 12 millions là pour l'instant, on paye 12 millions. Mais non, on va payer 12 millions et en fait, on a que 6 millions de chiffres de bénéfices. Tu peux pas payer plus que ce que tu te fais. Non, mais oui, en gros, mais c'est pas ça. Après, dès qu'ils ont pris eux leur taxe, et ben après, tout ce qui nous reste, il nous restera que dalle, quoi. Les miettes. Attends, on va baisser les salaires, hein. Oh merde, ouais, ça c'est pas bon, ça. En fou, j'en ai pas cette semaine, j'ai pas travaillé. Baisser les salaires. Alors... Ouais, bah la semaine prochaine, hein, j'ai fait 2 recrutements, alors à moins les 2x64. Oh yolo, allez, je démissionne. Ça s'enlevait, mais genre instantanément. Bon, bah moi je vais aller au casino, je vais tout fermer. Bon, allez, à plus tard, messieurs. À plus tard. Non, mais je vais l'aider. Ça, vous l'avez tous avec le savon, au moins. Je peux sentir. Tant les autres. Bah ouais, c'est pas mal comme ça. Moi. J'aime bien. Bon, le ministre il est occupé ou bien? On a pas de. Non, c'est le troisième. C'est le troisième. On a. Non, Casé de Papé. Casa de Papé. Alors, moi, de mon point de vue, j'y. Comme c'est une micro-entreprise, au début ça va être compliqué, c'est sûr. Mais on se mettra. Puis pognon, en fait, s'ils font, moi je peux leur fournir les deux. On se casse. Une appréciation. Bon client, 5 étoiles sur TripAdvisor. Allez, c'est bon, on va bouger. Ah, on bouge ça. C'est bien fait. Les collègues, ils ont besoin de renfort.
là, Nick Nick ou Jeff avec moi, s'il vous plaît. Jeff est occupé, Nick Nick, pour tout service, Jeff te fera un débrief. Exactement. Doc de CPA. Transmet pour Doc. Diablo pour Dimers. Allez, écoute. Je peux les avoir si tu veux. Avoir quoi? Bah, c'est toi qui appelle les docs, non? Ouais, j'ai besoin de la sécu, on a deux blessés. Doc de CPA. Transmettez pour Doc. On a besoin de la sécurité civile, on a deux blessés dans l'hélico. Il vous le faut où la sécu? Au plus proche, BA, bijoutier, peu importe, au plus proche. Je le mets sur BA. Reçu. Information sur site. Information sur Negales. C'est clair, il reste à faire un quartier, toi. Le Husky à Diablo. Demande transmise sur BR. Info sur la Negades. Sur Negades, il reste un L4 qui tourne, un dragon derrière, et sur zone, c'est clair. C'est bien pris. C'est fini. Tu peux tirer un passage canal 6. Impressionnant quand même. Hein. Ça pleure là, hein. Ça pleure. Hein. Ouais, c'est écrit. Hein. Oh, ça va, ils ont un milliard sur leur compte. S'ils ont chacun un milliard sur leur compte, c'est qu'il y a des pognons qui rentrent. Mais oui, bien sûr. La BR, c'est bien. De toute façon, tu vas voir qu'ils vont faire de la fraude. J'ai dit, il va y avoir de la fraude. C'est en USD qui ne va pas être répertorié. Il y a des employés qui gagnent 12 millions par semaine, tu te rends compte? C'est énorme. C'est énorme. Énorme. 12 millions 12 millions T'as gagné plus que moi, quoi. Ben c'est clair. C'est un truc de fou, hein. 12 millions. Et on me répond, bah ouais, mais le mec, il a taffé. Bah ouais, mais attends. 12 millions. Il a taffé. C'est pas énorme, les gars. Bah non, c'est pas énorme, 12 millions.
j'en ai connu des salaires plus élevés. Hein. J'ai connu du 20 millions, hein, 20, 30 millions. Putain. Imagine. Il y avait des trucs de fou. Moi, je prends une entreprise, j'en gagne. Ouais, on peut peut-être monter une boîte, hein, je te le dis, moi. Bim, bim, bim. Pas qu'on casse. Les gars, on casse toujours. Je pense pas que le virage il allait arriver aussi vite. Ouais. Ouais, c'est bon, ouais. Dire, si tu veux changer de bagnole, Dédé, vas-y, on te rejoint. Ouais, si tu te fais braquer, je sais quoi. Pour ça, le Connor. Quoi, Connor ? Sur le L4. Il y a le putain de L4 là. Mais apparemment, sur Yuga, si j'ai bien compris la conversation. Yuga. Je suis en train de chercher après. Il est au fond là-bas, après le film. On va monter sur la mairie civile, les gars. On va chauffer ça de plus près. Hein. Ouais. Diablo 2, Dragon 2 pour Spalid. À l'écoute de Spalid. Information sur la zone. Bah, L4, on l'a perdu, on sait pas où il est. Au niveau du bateau RAS, il y a un hélicoptère illégal encore sur zone qu'on pourrait extraire et deux ou trois véhicules également avec personne à bord. C'est là. Fois 700k en civil dans l'entreprise, 28 millions, nous on touche 2-3 millions. Ah ouais. C'est ça, c'est le problème, parce que nous on touche pas de pognon. Et 40 fois 700 aussi. Non, ça fait 40 heures par 15 jours. Non, mais c'est clair, l'économie elle est pas bonne chez nous. Chez nous elle est pas bonne du tout. Ce que je disais tout à l'heure. C'est pas en police que tu t'enrichis. Hein. Le problème est là. Bah allez, c'est bon. Aujourd'hui, la police, c'est pas en rentrant la police que tu vas faire plus. Ça, les gens, ils ont tendance à. D'habitude, c'est l'inverse. C'est dans la police que tu gagnes le plus de pognon. C'est pour ça que tout le monde veut faire policier. Mais là, c'est pas le cas en fait. Là, c'est l'inverse. Un civil qui arrive sur l'île, il se fait plus de pognon qu'un policier. On se casse ? Non, rien en fait. Transmettez. Vous avez encore besoin d'aide ? On a entendu comme noir à la radio. Nex, c'est fini, vous inquiétez pas. On bouge ? Ok, bien pris. T'es sûr, n'écrase pas. Qui ?
voulais me dire quoi tout à l'heure? Je vais te le dire après. Ok. Tout ça pour pas te dire que j'ai oublié. Bah, il avait qu'à être réveillé pendant la cérémonie aussi. Putain, j'ai encore cassé. Bonne naissance. Ah, ça va. Coupe ta merde. C'est où je la pète ta radio? Il est où? La radio, là, on l'entend jusqu'ici. Ah. Tu verrais. C'est de la musique de merde. En plus. Je t'emmerde. Ben non, je t'emmerde pas, c'est une musique de merde. Même si j'aime bien ça. Ouais, c'est de la merde quand même. Non, c'est pas de la merde. Du coup, comme j'étais viré, je peux être recruté? Non, t'es dégagé. Ok. On va aller chez des nichons. Tire dans l'ogire. Je veux bien dire, du coup. Tire dans l'ogire. Celui-là il fait mal. On tourne pas cette voiture. Tout va bien? Non, on n'est pas bien là. Ok, ok. Vous allez bien? Ouais, ça va. Tu veux quoi le Condé? Tu veux toi? Monsieur la police, ils ont essayé de me braquer. Mettez toutes vos armes au sol, pêchez-vous. Voilà, toutes les armes au sol, les mains sur la tête. Oh là 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 là. Et du coup, ils ont dit, mais non, me braquez pas, j'ai mis les mains sur la tête, vous voyez, comme ça. Ouais, et après, vous savez ce que je leur ai dit? Non. Non. De vous braquer. Allez les gars, vous êtes encerclés. Sur la tête. Sur nous. Allez, mettez la tête, on vous fume. Est-ce que c'est que... Allez, va fumer rien. Arrêtons, je te fume. Dédé va prendre la tête. Est-ce que tu nous reçois, William? I wanna be. Ça marche pas. Oulala. Alors, on casse dans les virages. Hey, j'ai l'impression qu'il y a personne. Hein. Ah bah non, putain, il y a personne. C'est longue la réunion là. Elle saute toute seule là, tu vois. Allez, rentre en marche arrière. Il s'est fait perdre tout seul. Oh merde, la statue. Pourquoi comme voiture? Alors vraiment pas de voiture. On va prendre ça là.
Oh la vache, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Ce qu'il faut là, 2, 3, 4, l'RPS, machin, mais il a déjà tout là, toutes mes voitures sont équipées. C'est magique quand même. T'as rue. Eh, t'es sponsorisé par les entreprises de savon. Qui ça? T'es sponsorisé par l'entreprise de savon. Pourquoi? Affirmatif, c'est un risque. Sûr que des savonnettes, quoi. Ouais. Il faut une liste de Kevela. On est parti ou pas? Oh merde! Oh merde, whisky est au sol, les gars, j'ai pas vu! Mais putain, mais t'es parti où, toi? Il est au sol ou il est allongé? Mais il est au sol! Comment il est comment? Quand c'est qu'il est au sol? Il a un pou ou pas? Il a. Il a aucun pou. Il a pas de pou. Ok, bah. Qu'est-ce que je te laisse appeler la sécurité civile et. Voilà. Bordel, on a le. Maintenant, faut juste RCP. RCP en attendant la. Ah non, venez. Bah non, non, tenez, on peut aller à l'hôpital, venez. Allez. Gambi, tu me dis quand t'es à côté. Ton véhicule, là. Sortez vos véhicules parce que sinon, il va être spot, là. Je te le montre. Allez, fonce dedans. C'est bon. Allez, en voiture. Erreur. Quoi, erreur? Qu'est-ce qu'il te rapproche là un peu, s'il te plaît? Non, 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 c'est bon. Ah, voilà. Par contre, va falloir m'expliquer comment t'es tombé dans le coma. Eh ben, j'ai par choc de. Il est où, t'as vu, hein? Dans l'église de Kevela, du coup. Où ça? L'église de Kevela, voilà. Au sud. J'ai pas compris. L'église Kevela. L'église de Kevela. Sud, sud. Lui, sud. Je suis en train de réfléchir, ouais, je reprends de l'église au sud en fait. Moi j'ai envoyé ici. Là, il y en a qu'une à Kevela. Ah ouais, je sais. Sur notre pause. Merci. Je vais péter Saoudi. Non, le péché Saoudi de merde. Prenez le nom du taru, hein. On peut pas. On peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plaque, c'est un hélico militaire. Ah! Il y a bien un papier d'identification au propriétaire quand même. On va voir ça. Oh putain, j'ai trop bien. Il connaît pas la crise. Allez, c'est parti. C'est où là?
Ils étaient en bas là. L4 qui vient de survoler Kavala. Putain, mais il va ça où lui? Vous êtes où là? On regarde sur carte, on est au sud de Kavala, à l'église. Ah, c'est ça l'église? C'est pas une église ça! Une église? Avec une croix dessus, c'est une église. Ah, c'est une chapelle au gros maximum, mais. Oh, c'est la même chose! Pas projeté, hein. Pourquoi il n'y a pas d'identité sur ça? Un véhicule militaire, on peut pas prendre des identités sur les véhicules militaires. Ah bon? Bah, c'est pas militaire ça. C'est quelqu'un qui l'a acheté ça. Gold Cannibal. Vous notez Got Cannibal. D'accord. Got Cannibal. Bah allez, on se casse. Oh vache. RAS dans le taru. On se casse. On se casse! Chut! Là, tu m'as cassé l'oreille. T'es cocu, toi. Pourquoi? C'est cul. Putain, ma voiture toute neuve, putain, et en plus il s'arrête pas. Refus d'obtempérer de la Mercedes blanche de la DC qui me rentre dedans et qui se casse malgré l'accident. On va aller discuter avec. Putain, le mec il se barre quoi. Le mec, je lui rentre dedans, il se barre. Tu trouves ça normal toi? Pourquoi t'as deux antennes alors qu'on a qu'une radio? Bah parce que j'aime bien en avoir deux. Et toi, pourquoi t'as deux couilles? Pourquoi t'as deux bras? Pourquoi t'as deux pieds? Pourquoi t'as deux narines? Pourquoi t'as deux yeux? Pourquoi t'as deux oreilles? Voilà. Pourquoi... Voilà. Tu vois, c'est pareil. Pourquoi une voiture à quatre roues? Parce qu'elle peut pas d'avoir que deux. Bah voilà. Pourquoi elle a deux antennes? Bah parce que... C'est la moto. Allô, Dédé? Ils sont en train de me dire que c'est toi qui les as touchés. Oui, bah ils peuvent s'arrêter quand même, non? Ils ont tué la civilité là. C'est vous touchez quelqu'un, le minimum c'est de s'arrêter, faire un constat, je sais pas. Bon là bon. Oh, moi je te rentre dans la voiture et toi qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas. Je voulais te dédommager, je voulais te donner de l'argent pour dédommager le véhicule et toi tu t'en vas. Tu sais, c'est pas facile ça, hein? C'est pas normal. Bah oui, mais toi pas intelligent, toi pas civil du tout. Je crois que je l'ai pas sur moi. Moi pas content de toi. Ah oui, attendez, franchement. Regardez bien. Moi vouloir que toi arrêter pour moi te dire pardon et toi partir comme ça comme gros voleur. Toi qui nous as caché, t'as vos armes, t'as vos drogues. Attendez, je vérifie dans la voiture. Bon, bah alors. Mince. Voilà. S'il vous plaît. Pas s'il vous plaît, au revoir. Un Saint-Ville aussi, ça. Pas bien, moi pas content. Papy là. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sans déconner, c'est pas possible. Je suis navré. Non, mais non, toi mettre à genoux et toi faire poème à moi maintenant pour t'excuser. Vous l'avez vu, monsieur? Toujours plus. Toujours plus, exactement. Je vous entends plus.
Sinon, toi, moi, demander à toi de chanter. Je pense que je vous entends. Toi, faire le cri. Alors, fais le cri de Tarzan. Non, non. Allez, excuse-toi. Voilà, c'est très bien, moi, fier de toi. Bon, allez, toi, pouvoir partir et moi, pas donner argent. Voilà. C'est à toi, t'en vouloir photo ? Fin de journée, messieurs. T'en vouloir photo ? T'en vouloir photo ? T'en vouloir photo ? Bon, bah alors, t'en as circulé. Tu veux faire un tour voiture avec moi ou pas ? Oh, toi, belle voiture, dis donc ! Oh, belle voiture, toi ! T'en vouloir faire. Eh, moi, pouvoir faire un tour avec toi là-dedans ou pas ? Comment ? Moi, pouvoir faire un tour de voiture avec toi là-dedans ? On lui pas répondre. Bah, je sais pas, enfin. Vous me parlez drôlement bizarre et d'un coup, vous me demandez pour faire un tour en voiture. Hein. D'accord. Bon, bah, tant pis. Désolé. Non, mais. Oh merde. Oh merde. Ah ouais. Bon, whisky est encore tombé. Whisky fragile, hein. C'est manie aujourd'hui. Bah, whisky est fragile, hein. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. C'est réveillé. Ah, ouais, il est arrivé. C'est un attentat, hein. Putain. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est beau, c'est ta voiture, elle est bizarre, elle est hantée, je crois. T'as pas touché le rétro, t'es tombé, quoi. T'as vu ça? Mais t'as l'air pareil, hein. Putain, je suis fou. Allez, Dédé, t'as réussi à le buter, ça y est. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Titanus. Allez, c'est beau. Allez, nous continuer, enfin on continue, allez. Ah. Compliqué, tu vois. 10 minutes. Ah. Ouais, bah t'en avais à l'heure. Ça sert à quoi ces points? Quel point? Quel point, ouais. Ça sert à quoi ces points? Quel point? Ah, les points du chat. Ah, les points du chat. Les points du jeu. Toxicuid. Toxic, quand tu commences à jouer à ce jeu, tu es vite pris. Ok, c'est encore un corps. Ah, ouais, ouais, c'est ça. Je suis sûr que tu laisses ton stream à mettre vide et ils sont dessus en train de faire en fait. C'est ça. Ça rigole pas, ça peut être. C'est ça. C'est roulette. C'est la roulette. Moi. Oh. 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 Grave accident ici. Oh. Oh, toi, belle voiture. Eh, toi, belle voiture. Toi, avoir même voiture que moi, dis donc. Regarde. Toi, copier sur moi. Lui, vitre noir, pas nous. Ah, ouais, lui, vitre noir. Comment t'as fait, toi, pour avoir vitre noire? Coulez, va. Oh, coulez, va. Coulez à tort. Belle voiture. Sécurité civile. On va faire sécurité civile. Ah, ça fait bien. Vous avez trouvé la maison de... machin, là, Yuri Soko? Affi. Bien sûr, c'est dans son dossier. C'est parfait. Un boss de temps en temps quand même. Je sens. Bon, on va rentrer les voitures au garage. On va faire discours. Ah. Parce que là. Il faut que je chope le patron en fait. Il y a plus que ça à faire. Faut qu'on ait un motif. Bah, le motif, ça va être le flag. Hein. Ouais, ouais. Le flag ou une faute. Une faute qui pourrait nous offrir. Attention la possibilité d'amener tout le restant de la procédure. On est obligé à aller à la maison aussi. Ah mais ils sont couleurs ou blancs. Oula.
suffit qu'il ait une arme ou une prothèse. Non. Toupie. Oh, Toupie, Arnold. Mais qu'est-ce que c'est ? Aïe. Quoi ? Oh, moi, beaucoup de problèmes de tête. Oh là là, moi, beaucoup de problèmes de tête. Alors, qu'est-ce que vous faites en cette belle journée ? Fais gaffe, l'autre il appelle à la radio de l'autre côté de la rue. Toi, et copain, à toi pas gentil, lui appelez copain de l'autre côté de la rue, nous pas stupide. Hein. Bon. C'est bon, c'est un dick. On fout un dick, copain dick. Pourquoi tu veux t'aller parler à ta radio comme ça ? Il a eu peur. C'est bon, c'est les indics. Il réussira, non ? Thierry, t'en es où ? Il a cru que c'était des braqueurs. T'en es où, Thierry ? Là, ah, avec les scorpions, tu dis ? Oui. Ah, on allait les choper sauf que vous les avez pété. En plus, on avait. Dis-toi, casquette. On avait mis un plan en place là, ça faisait 25 minutes où on les espionnait. Ils étaient où les espionner. Bouge pas. On avait mis un L4 à la thermique, ils spotaient, ils mettaient tous les points de tireur et tout. Et du coup, quand vous avez lancé, on a dit que vous avez, oui, qu'ils étaient là-bas, vous étiez allés. C'est du bon travail, les mecs. Toi, braquier. Oh, toi, trousse magique. Oh, c'est pas vrai. Si, toi, trousse magique. Ici. Pourquoi t'as une trousse magique et toi, pourquoi t'as un viseur et un chargeur ? C'est des c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai ? Ah, c'est faux. Ah bon, je vois, pas, je vois rien du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Thierry. Bon, et venez voir les Corleone là. D'ailleurs, faire un Dédé. Ouais. Ta gueule. Viens voir ici. Quoi ? La trousse. Couche-toi. Ah, la trousse qui arrive quand même pas. Couche-toi. La trousse qui arrive. Couche-toi. Thierry, la trousse. Maintenant, tu jures fidélité. Et je jure fidélité, voilà. Faut que tu la récupères dans un. Depuis toujours, tu le sais. Hein. Voilà. Va laver ma voiture. Allez, Thierry. Allez, vas-y. Toi aussi, là, Thierry. Ouais. Mets-toi à genoux et jure fidélité. Voilà, je suis fidèle. Voilà, bah, va laver ma voiture. Allez, c'est parti. Dis, tu fais l'aspirateur ? Tu fais l'aspi ou quoi ? Allez, si je vous apporte pour équipement ou détention. Il va faire l'aspi. Pourquoi ? Qui c'est qui l'a tatane ? C'est. Je sais pas. C'est Kerry, je crois. C'est excellent. En plus, il fait le bruit du cochon. C'est parfait, ouais. Merci les gars. Bon, allez, à bientôt. Rien, à bientôt. Et bisous à la famille Corleone qui fait du LSD. Dédé, il fait mieux que toi. Bisous aux Corleone qui font du LSD. Allez, hein. Bisous les Corleone. Ouais, c'est ça. Et ben, on a Casquette qui fait la sieste. Il y a 4 minutes avant, t'es en fait. Putain, le premier à la BA qui range sa voiture, gagne. Ah oh, merde. Oh merde. Bah c'est à l'heure là ils vont gagner. Ah hein. Oh. Ah les délires. Hein. Quoi? Ah les délires. Part très vite. N'hésite pas à me le redemander. Ça les incrimine. Je te fais au médecin de Tira, qu'est-ce que t'es à terre. Dommage. Ça. Allez, go. Deux minutes, tu veux pas ta hein. Mais non. Non, mais pour casquette. Ah oui. Merde. Mais qu'est-ce que tu fais ? Y'en a un devant. Mais je sais pas, la voiture elle tourne toute seule là. Je sais pas, je fais rien. Wake up. C'est bon ? Ouais, putain. La
T'es bizarre cette réunion ce soir. Hein? T'es bizarre cette réunion ce soir. Ouais, elle était. En fait, c'est juste pour leur dire qu'ils vont être taxés à 20%. Du coup, il faut toute sa gueule. Au jour, bon, on vous annonce qu'on vous dit que la gueule de 20%. Bon, bah, merci d'être venu. Plus de sécurité. Oh, mais ça va être dur ça. Moi je m'en fous, je me suis fait un salaire ce soir. Oh. Ouais. Ah ouais, hein, fallait payer. Le général, il voulait m'ordonner la paye aujourd'hui. Mais non, hier. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Putain. Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Quinze secondes, vite, mon arme, mon arme. Oh. Channel switched. J'ai sauvé mon arme, c'est essentiel. Bon, ben voilà, merci à tous d'avoir été présents encore ce soir. Merci aux nouveaux followers, merci à tous. Vous étiez très nombreux à suivre le live ce soir qui était calme suite à la réunion des entreprises. Forcément, il n'y a pas trop de gameplay, mais bon, voilà. Alors, ce que j'ai décidé de faire, suis les conseils de beaucoup de gens, c'est que je ne vais plus mettre les lives directement sur YouTube. Je vais faire un petit montage, je vais couper les moments où on se fait chier. Comme ça, ça vous permet d'avoir à condenser du live et beaucoup plus rapide avec quasiment que les actions. Voilà, en gros, les nouvelles vidéos que je vais demander. Bon, bah, merci Momo Starsling pour ton abonnement, c'est super cool. Merci beaucoup, merci à toi. Et bienvenue de nous avoir rejoints. Merci Toxic pour ton follow également. Merci à Novo pour ses 300 bits. Merci aussi... Bah, Momo Starsling et tout ça, donc voilà. Non, mais c'est nickel, on y est. Donc voilà, 417 followers, on approche des 450 et après des 500. On est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à être présents. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord pour jouer à R6, Apex, LOL, CS, enfin tout ce que vous voulez comme jeu. Il y a toute une panoplie pour jouer ensemble, une belle petite communauté pour jouer ensemble. Merci aussi de nous rejoindre sur YouTube pour voir les gameplays et les lives. Et... bah, partagez un maximum, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, prenez soin de vous, bonne nuit, à demain, 20h minuit, sortez couverts, à plus. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfellow TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.